Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de réjouissance. Voilà pourquoi nous sommes tous rassemblés en ce lieu et des quatre coins du monde pour abonder en actions de grâce, en réjouissance et en reconnaissance. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, nous devons abonder en actions de grâce. Le psalmiste dit, je vais autour de ton trône, ô Éternel, afin d'abonder en actions de grâce. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Amen. Aidez-moi à saluer notre famille internaute avec qui nous allons célébrer notre Dieu. Il fait de grandes choses. Il fait des merveilles. Il fait des prodiges. Et il en a fait dans nos vies pendant 21 plus un jour. Est-ce que nous pouvons abonder en actions de grâce ce matin? Est-ce que nous pouvons éclater en actions de grâce ce matin? En gratitude envers notre Dieu. Nous venons l'honorer, le célébrer, le glorifier pour ce qu'il a fait dans nos vies. Il a accompli de grandes choses. Il a accompli des choses merveilleuses. Grandes sont ses compassions qui sont renouvelées chaque matin dans nos vies. Ses bontés ne sont jamais à leur terme. Et il nous a conduits tout au long de ces 21 plus un jour. Il nous a amenés dans sa puissance, dans sa présence, dans la révélation de son intimité. Il a brisé toutes sortes de chaînes. Il a ôté toute forme de fardeau. Il a libéré toutes sortes de captifs. Voilà pourquoi nous pouvons éclater en action de grâce ce matin. Nous pouvons abonder en action de grâce. Il est digne. Il est digne de notre reconnaissance. Il est digne de notre célébration. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. En poussant des cris de joie envers notre Dieu. Oh, poussant vers l'éternel des cris de joie. Puissance et majesté louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans mugissent. Au son de ta voix, émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. D'être avec nous chaque jour de notre vie jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi nous venons en ce lieu et rassemblés dans les quatre coins du monde pour abonder en action de grâce, pour éclater en action de grâce, pour te célébrer et te témoigner notre reconnaissance pour ce que tu as accompli pour nous. Tu es Jésus, notre sauveur. Tu es Jésus, notre libérateur. Tu es Jésus, notre alpha. Et tu es Jésus, notre méga. Voilà pourquoi nous venons te témoigner ce matin. Le cœur rempli de gratitude. Notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli. Car tu es celui qui accomplit des signes, des miracles et des prodiges dans nos vies. Et nous voulons te chanter notre amour ce matin. Et nous disons, mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Toi, mon refuge, tu es mon abri, mon réconfort, mon appui,
Que tout mon être, et toute ma vie, ne cesse de t'adorer. Encore une fois, disons, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, amoureux de mon âme, bienfaiteur de ma vie, architecte et bâtisseur de nos vies, rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour, de ta bonté, de tes compassions renouvelées chaque matin dans nos vies. Toi notre refuge, tu es notre abri, un abri sûr, tu es notre réconfort, notre consolateur. Que tout mon être et toute ma vie ne cesse de t'adorer, ne cesse de t'adorer. Alors nous poussons des cris de joie vers toi notre Dieu, vers toi notre Dieu. Des cris de joie, à toi la puissance, à toi la majesté. Les montagnes tremblent, les océans mugissent, simplement au son de ta voix, simplement au son de ta voix. Oh, je suis émerveillé, je veux t'aimer, Jésus, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, rien n'est précieux. Si ce n'est ta promesse, ta promesse en moi. Chantons mon Jésus, mon Jésus, tu es mon Jésus. Toi mon sauveur, mon libérateur, tu es mon tout. Tu es l'ancre de ma vie, le pilier qui soutient nos vies. Nous voulons chanter, Seigneur, les merveilles et les prodiges de ton amour. Oh, tu es le refuge de ceux qui sont sans refuge. Et tu es l'abri de ceux qui sont sans abri. Tu es notre réconfort et notre consolateur, notre avocat et notre soutien. Que tout mon être, toute ma vie, ne cesse de t'adorer, te louer, t'acclamer, te célébrer. Alors nous poussons des cris de joie, des cris de reconnaissance, des cris de gratitude, puissance et majesté. Les montagnes tremblent, les océans mugissent. Au son de ta voix, tu nous as émerveillés. Je veux t'aimer, je confie mon esprit. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Poussons, poussons, poussons les cris de joie vers l'éternel. Poussons vers le Seigneur des cris de triomphe et de reconnaissance. Les montagnes tremblent, les océans mugissent. Ils mugissent au son de ta voix, au son de ta voix. Les montagnes fondent comme la cire. Nous sommes émerveillés. Oh Jésus, je veux t'aimer. Si ce n'est ta promesse, oh, poussons vers l'éternel. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Puissance, majesté, louange, action de grâce, reconnaissance envers le roi de gloire. Les océans, simplement au son de ta voix. Émerveillé, par
ta fidélité. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Poussons, poussons, poussons des cris de joie. Parce que ta fidélité a parlé sur nos vies, rien n'est précieux. Si ce n'est, je déclare que rien n'est précieux dans ma vie. Si ce n'est ta promesse, sois le Dieu fidèle, rien n'est précieux. Tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Oh, rien n'est précieux. Si ce n'est ta promesse. Éclatons, éclatons en action de grâce ce matin. Puissions-nous abonder en action de grâce ce matin. En l'honneur de Jésus, car il est Dieu, il est Seigneur, il est roi, il est souverain de nos vies. Et nous voulons le déclarer ce matin avec assurance, avec certitude. Jésus est Seigneur, Jésus est roi, il est souverain de nos vies. Et nous le chantons en signe de notre reconnaissance. Le cœur rempli de gratitude, en lui, par lui, pour lui. En lui, par lui, pour lui. Tout a été créé. Tout a été créé. La victoire se trouve en lui. La victoire se trouve. Le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité. En lui, par lui et pour lui. En lui, par lui. Toute chose a été créée. La victoire se trouve en lui, le salut de l'humanité. Proclamons-le encore une fois, en lui, par lui et pour lui. Tout a été créé. La victoire se trouve en lui, le salut de l'humanité. Il est le Dieu invincible, invincible. Et il règne sur l'univers. Oh, il est Dieu. Jésus est son nom. Acclamons le roi ce matin et poussons des cris de joie en l'honneur de sa majesté, le roi de gloire. Il vit en nous et il manifeste sa gloire au travers des vases que nous sommes. Et nous déclarons encore une fois en lui. La victoire se trouve en lui, le triomphe se trouve en lui, la délivrance se trouve en lui, le salut de l'humanité. En lui, par lui, pour lui, tout a été créé. La victoire se trouve en lui, le salut de l'humanité. Il est encore une fois, encore une fois. Invincible, redoutable, conquérant est notre Dieu. Il est merveilleux.
est Dieu, au-dessus de la terre, il est Dieu, et il règne sur l'univers, il est Dieu, il est roi, et il est Seigneur, son nom est Jésus, il est Dieu, il est Dieu, au-dessus de la terre, il est Dieu, et il règne sur l'univers, il est Dieu, il est roi, et il est Seigneur. Son nom est Jésus. Encore une fois, il est Dieu, il est Dieu. Au-dessus de la terre, il est Dieu. Et il règne sur l'univers. Oh, il est Dieu, il est roi, il est Seigneur. Jésus est son nom. Acclamons-le, déclarons qu'il est Dieu. Au-dessus de la terre, il est Dieu. Et il règne sur l'univers. Il est Dieu. Seigneur, Jésus est son nom, poussant des cris de joie envers le roi des rois. Il est notre Dieu, il est notre souverain, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de l'impossible. Voilà pourquoi nous voulons déclarer qu'il est Dieu et lui seul est Dieu. Comment? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Tout puissant, le tout puissant c'est toi. Ce matin nous ne voulons pas nous taire dans ta présence. Lorsque nous regardons à ce que tu as accompli dans nos vies, lorsque nous regardons à la façon dont tu nous as conduits pendant ces 21 jours, lorsque nous contemplons tes grâces, tes bontés, tes délivrances, la restauration que tu as accomplie dans nos vies, les guérisons en grand nombre, lorsque nous regardons aux témoignages qui sortent de nos vies, ce matin, Seigneur, personne ne veut rester silencieux dans ta présence. Personne ne veut rester silencieux alors que les anges louent le Seigneur, alors que les pierres peuvent faire du bruit, alors que les oiseaux peuvent louer Dieu. Aujourd'hui, je veux louer ton nom. Aujourd'hui, Seigneur, ton peuple veut louer, élever ton saint nom, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié dans l'assemblée des fidèles. Entends la louange de ton peuple, entends l'action de grâce de ton peuple, entends, Seigneur, nous t'élevons ce matin, nous t'élevons avec nos louanges, nous t'élevons avec nos pas de danse, nous t'élevons avec nos cris de joie, nous t'élevons avec nos acclamations. Oh, reçois, Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons ce matin. Hey, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu redoutable. Tu es celui qu'on appelle El Shaddai. Tu es celui qui est fort dans les combats. Tu es celui qui exerce nos mains au combat. Tu es celui qui nous donne la victoire. Et aujourd'hui, un peuple victorieux se lève. Aujourd'hui, un peuple victorieux se lève. Un peuple qui n'a plus peur de l'ennemi. Un peuple qui n'a plus peur des oppositions. Un peuple qui ne se laisse plus distraire, déstabiliser par les attaques de l'ennemi. Un peuple victorieux est dans la place. Un peuple conquérant. Célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Reçois favorablement, Seigneur, nos actions de grâce. Tout est pour toi, Seigneur. Nous t'élevons. Nous acclamons le roi des rois. Nous poussons des cris de joie dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois favorablement notre louange en le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Alléluia, il est digne de louange. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur. On peut lui rendre toute la gloire. Lui seul est digne. Lui seul nous a conduits dans les profondeurs de sa présence. Nous, lui seul nous a fait sortir conquérants, revigorés, fortifié, amen. Est-ce que tu te sens concerné? Alors acclame, 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 acclame. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyons les bienvenus à Impact Centre Chrétien, le lieu où il y a un peuple ranimé, restauré, enflammé, embrasé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous saluons nos frères et sœurs internautes qui sont connectés avec nous. Le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Durant ce culte spécial, nous voulons célébrer le Seigneur. Amen. Et avant de prendre place, n'hésitons pas à saluer dignement, avec joie, avec un large sourire, la personne qui est à notre gauche, à notre droite. Dis-lui, tu as bien fait de venir ce matin. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a de la joie dans sa présence ce matin. Amen. Et hier, les anges se sont réjouis avec nous. Hier, il y avait une atmosphère spéciale. Le ciel s'est ouvert. Les anges sont descendus et plusieurs de nos frères et sœurs sont passés par les eaux du baptême. On rejoint la grande famille de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever? Les baptisés, levez-vous. On veut célébrer le Seigneur pour vous. Alléluia, ils sont nombreux. Gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur vous visite là où vous êtes. Vous irez de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Donc dès maintenant, nous allons nous tenir informés des événements incontournables à Impact Centre Chrétien par la vidéo. Les annonces de la semaine à Impact Centre Chrétien, campus de Paris. Nous sommes infiniment reconnaissants envers le Seigneur pour notre programme de 21 jours de jeûne, de prière et de supplication que nous avons eu durant tout ce mois de juin. Aussi, si vous avez vécu un témoignage pendant ce programme, une guérison, une libération, une restauration, un déblocage, une percée, nous vous invitons vivement à nous les partager. Nous recueillons les témoignages qui concernent à la fois les 21 jours de jeûne et de supplication, ainsi que les programmes précédents. Vous pouvez envoyer vos témoignages en écrivant à l'adresse email suivante témoignages@impactcentrechretien.com. Nous avons l'immense plaisir de vous convier à notre événement incontournable de l'année, Impact Conférence 2017, qui est l'un des événements majeurs de l'Église, qui se tiendra du mercredi 5 juillet au dimanche 9 juillet 2017 au Palais des Congrès de Montreuil, situé au 128 rue de Paris à Montreuil. Nous recevrons des orateurs d'exception, à savoir le pasteur Matthew Achimolowo, le pasteur Mamadou Karambiri, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Marcelo Tunassi, avec la participation de notre pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou, sur le thème « Vivre Christ ». Afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent et qui ont des difficultés pour se déplacer,
d'y participer, nous avons mis en place un système de navettes partant des gares les plus proches de chez vous. Pour organiser au mieux ces déplacements, nous vous invitons à vous rapprocher du stand de mise à votre disposition à l'extérieur de l'auditorium à la fin du culte. Pour plus d'informations, vous pouvez également écrire à l'adresse email suivante contact@impactcentrechretien.com. Le ministère des Jeunes d'Impact a la joie de convier tous les jeunes à l'un des événements majeurs de l'année, la Grande Retraite des Jeunes d'Impact Intercampus Europe 2017, avec la participation du pasteur André Mbende. Elle aura lieu du 20 au 22 octobre 2017 au complexe scolaire La Providence, 146 boulevard de Saint-Quentin à Amiens, en France. Au programme des temps de prière et d'adoration, des temps d'enseignement ainsi que des ateliers autour de la parole de Dieu pour chaque tranche d'âge du ministère des Jeunes d'Impact. Ne ratons pas ces moments d'exception avec le roi des rois, car c'est un temps unique, mis à part spécialement pour manifester Christ pleinement dans tout le continent. Les inscriptions sont ouvertes et se font directement au stand du ministère mis à votre disposition dans la salle annexe. Les places étant limitées, nous vous invitons à le faire sans tarder. Pour de plus amples informations, vous pouvez écrire l'adresse email suivante jeunes@impactcentrechretien.com ou nous retrouver sur la page Facebook Jeunes d'Impact, Campus de Paris. Par ailleurs, le ministère des Jeunes d'Impact convie toutes ceux et celles qui travaillent activement pour le royaume au sein du ministère à un temps spécial de réjouissance et d'action de grâce, le Festival des Stars. Il aura lieu le jeudi 13 juillet 2017 au campus de Paris, à Boissy-Saint-Léger, à partir de 19h. Au programme, il y aura diverses surprises, en plus d'un mini-spectacle et d'un repas gracieusement offert. Afin de vous accueillir au mieux pour ce moment spécial, tous les stars du ministère sont priés de bien vouloir s'inscrire au stand situé à l'extérieur de l'auditorium. Pour de plus amples informations, vous pouvez écrire à l'adresse email suivante jeunes@impactcentrechretien.com ou nous retrouver sur la page Facebook Jeunes d'Impact Campus de Paris. On est ensemble, le département de soutien alimentaire du département du ministère de la Solidarité et des œuvres sociales et humanitaires déménage et se situe désormais à gauche de l'auditorium, côté mezzanine. Ce nouvel emplacement nous permettra de vous recevoir et de répondre au mieux à vos besoins de produits de première nécessité et de vous orienter afin de trouver des solutions durables. Ce lieu sera également un point de rencontre pour collecter vos dons alimentaires, financiers, tickets restaurants, titres de transport. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de faire livrer vos dons alimentaires à l'auditorium en précisant « dons pour On est ensemble ». Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne prenons aucun produit frais ni aucun produit surgelé. Pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire à onestensemble@impactcentrechretien.com. Le ministère des célibatants épanouis et productifs a le plaisir d'annoncer le lancement de l'été des célibatants pour communier et témoigner de Christ. Ce calendrier d'activités dédié aux célibatants s'étendra de mi-juillet à fin août et combinera des activités de détente, de loisirs et d'évangélisation. Les activités sont réparties de la manière suivante. Le 14 juillet 2017, sortie en mer à Honfleur. Le 22 juillet 2017, séance de sport en plein air à Bercy. Le 3 août 2017, bateau-mouche et pique-nique sur le Champ de Mars. Le 26 août 2017, barbecue géant. Les inscriptions sont ouvertes, les places étant limitées pour certaines activités. Nous vous invitons vivement à vous inscrire dès à présent. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, un stand est mis à votre disposition à l'extérieur de l'auditorium à la fin du culte. Vous pouvez également écrire à l'adresse email suivante célibatants@impactcentrechretien.com. Nous vous remercions d'avoir été attentifs à nos annonces et nous vous souhaitons un excellent culte dans sa grâce. Seigneur, pour cette excellente nouvelle. Et dès à présent, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Donc je convie toutes les personnes qui sont baptisées par immersion et qui se sont préparées à bien vouloir se tenir debout dans la présence de Dieu avec notre famille internaute qui s'est également préparée pour communier à la table de notre Seigneur. Nous allons nous disposer, rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et véritablement nous approcher du Seigneur avec crainte, avec respect,
car il s'agit de son corps et de son sang qu'il a livré à la croix pour nous. Est-ce que nous pouvons nous disposer et élever la voix dans la présence de Dieu? Père, nous te bénissons. Ce matin, c'est une joie, c'est un privilège que de pouvoir communier à ta table. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous à la croix. Tu as fait une œuvre extraordinaire. Tu l'avais annoncé dans les temps anciens que tu enverrais ton Fils qui serait mené, Seigneur, à la croix, et tu l'as véritablement accompli. Il y a une puissance dans l'œuvre de la croix. Il y a une puissance dans ce que tu as accompli pour nous. Car tu as porté nos péchés, tu as porté nos infirmités, tu as porté nos malédictions, tu as porté nos maladies, tu as porté tout ce que l'ennemi était venu introduire à cause du péché, afin que nous puissions avoir la vie. Tu as déclaré dans ta parole que tu es la résurrection et tu es la vie. Alors lorsque nous communions à ton corps et à ton sang, lorsque nous prenons, Seigneur, ce saint repas, nous recevons ta vie en abondance, ta vie qui opère à l'intérieur de nous. Nous voulons prendre ce saint repas avec foi, avec la conviction que tu vas déposer quelque chose à l'intérieur de nous. Oui, ton sang parle, ton sang exerce un jugement, ton sang expulse ce qui n'a pas lieu d'être dans nos corps. Car ta parole déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas choisi de vivre dans un temple fait de mains d'hommes, mais tu as décidé de vivre en celui que tu t'es façonné par tes mains. Voilà pourquoi, Seigneur, dans nos corps, toute maladie est illégale. Voilà pourquoi dans nos corps, toute infirmité, quelle qu'elle soit, est illégale. Toute maladie, aussi catastrophique soit-elle, aussi difficile soit-elle par les hommes, il n'y a rien de trop difficile pour toi. Il n'y a rien d'impossible pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons venir avec foi, avec la ferme conviction qu'il y a guérison, qu'il y a restauration, qu'il y a santé divine, qu'il y a délivrance dans le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour notre salut, pour notre libération totale. Au nom de Jésus, Père, nous le croyons ce matin. Laisse nos cœurs le recevoir. Laisse notre âme en être convaincue. Que tout en nous entende que c'est le sang de Jésus qui parle plus fort que celui d'Abel, qui parle plus fort que toute forme de fléau, que toute forme d'épidémie, que toute forme de virus, que toute forme de bactérie, que toute forme de maladie. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a autorité dans le nom de Jésus. Il y a domination dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ta parole déclare dans 1 Corinthiens 11 au verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, sur la base de ta parole, nous voulons prendre avec action de grâce ce pain qui est ton corps. Merci pour ton corps qui a été livré pour nous. Nous le prenons ce matin avec action de grâce. Prenons ensemble le corps de notre Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang qui a coulé pour nous. Nous voulons le prendre avec action de grâce et reconnaissance. Prenons ensemble le sang de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut prendre ensemble quelques minutes pour rendre grâce à Dieu? Pour rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Pour rendre grâce à Dieu pour la victoire. Oh Seigneur, nous proclamons la victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans nos corps, la victoire dans nos vies, la victoire dans notre destinée. La victoire contre tout fléau de l'ennemi. La victoire contre toute attaque, contre toute forme de maladie. Aujourd'hui, c'est ton sang qui parle dans nos corps. C'est ton sang qui parle dans nos vies. Du sommet de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Ton sang parle. Exerce un jugement et ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Nous acclamons la puissance de Jésus. Nous acclamons le sang de Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour la victoire qui nous
délivrance dans le nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. C'est toi qui accomplis ces choses merveilleuses et nous te célébrons dans l'assemblée des fidèles dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Amen. Amen. Nous allons maintenant passer au temps des dîmes et des offrandes et nous allons donc laisser la place au pasteur Yvan. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Agneau de Dieu. Alléluia. Digne l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu de l'homme, tu es saint et béni. La terre entière. Ton grand nom, Jésus. Comme chaque premier dimanche du mois, nous voulons apporter nos dîmes et nos offrandes. Et nous avons décidé maintenant que chaque premier dimanche du mois, nous apportons un caractère solennel au fait d'apporter nos dîmes. La dîme, ce n'est pas uniquement 10% de nos revenus. La dîme, ce sont les 10 premiers. Ce sont les 10 premiers pourcents de notre revenu. La dîme, ce n'est pas 10%. La dîme, ce sont les premiers 10%. Et nous avons dit chaque mois, chaque mois nous rappelons à quel point ce principe est important. C'est une loi spirituelle. On a dit, est-ce que je peux avoir plus de volume, plus de retour peut-être, ça serait bien. On a dit que c'était un principe spirituel qui existait avant la loi de Moïse, qui était respectée par les pères de la foi, par les patriarches Abraham, Isaac, Jacob. Il n'y avait pas de loi. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il n'y avait pas la loi de Moïse. Donc ne dis pas que la dîme appartient à la loi. Ne dis pas la dîme appartient à l'Ancien Testament,
Parce que le Nouveau Testament n'est pas un changement de testament, c'est la prolongation de l'alliance que Dieu avait scellée avec Israël et qu'il a étendue aux gentils, c'est-à-dire aux païens, à travers le sang de Jésus. C'est l'alliance qu'il a prolongée. Il n'en a pas, c'est pas une alliance qui nous sort de nulle part, parce que la Bible dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, tu ne peux pas jeter l'Ancien Testament parce que, en réalité, d'ailleurs, une des vérités bibliques qu'il faut comprendre, c'est que toute vérité biblique trouve toujours son origine dans le livre de Genèse, le livre du commencement. Tout commence dans le livre du commencement. Tout ce que tu vois aujourd'hui, tous les principes spirituels commencent dans le livre du commencement. C'est vrai pour la rédemption, la justification, lorsque Dieu a sacrifié, il a sacrifié un animal pour couvrir les hommes. Tout existe dans le livre du commencement. Et c'était l'ombre, mais tout commence dans le livre du commencement. Donc, tout ce qui est dans l'Ancien Testament n'est pas à jeter. D'ailleurs, même la loi de Moïse n'est pas à jeter. Je vous ai expliqué, dans la loi de Moïse, il y avait des lois spirituelles qui existaient avant Moïse, que Dieu a rendues obligatoires sous Moïse, sauf que Moïse a rajouté des choses qui ne sont plus nécessaires, à savoir les pratiques et les pénalités. On n'a plus besoin de sacrifier des animaux, mais on a toujours besoin de continuer d'aimer Dieu, de continuer d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de continuer d'honorer, de continuer d'être généreux. Ce sont des principes qui, eux, n'ont pas changé. Si tu as compris, tu me dis un bon amen. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Tu prouves ton amour pour Dieu par ta capacité à obéir à Dieu, à obéir aux lois, aux principes qu'il a établis. C'est une preuve d'amour et c'est également une preuve de maturité spirituelle. Lorsqu'on n'a plus besoin de te rappeler ces choses-là, parce qu'elles font désormais partie de ta culture, tu montres ainsi que tu as mûri. Je déclare que nous avons mûri au nom de Jésus. Voilà pourquoi chaque début de mois, nous prenons plaisir avant de sortir les dépenses pour les autres, pour les gens du monde, pour nos factures. On donne, ce n'est pas, on ne paye pas la dîme, on la donne volontairement. Dis amen. L'autre vérité, c'est que même si tu ne la donnes pas volontairement, elle sera quand même prélevée automatiquement si tu ne donnes pas. Sauf que ça ne sera pas pour les bonnes causes. Ça va aller dans des dépenses imprévues, dans des attaques soudaines, les portes mal fermées, la serrure est entrée à l'intérieur et tout ça, que des catastrophes, ce qui ne nous arriveront pas. Lorsqu'en début de mois, nous prenons l'habitude d'apporter volontairement nos dîmes à Dieu. Est-ce que c'est bon? Amen. Qui est content d'apporter sa dîme? Et on n'apporte pas que nos dîmes également, on apporte également nos offrandes, parce qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. On vient toujours avec une expression de gratitude pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Si tu as eu des revenus, il y en a qui disent, moi je ne travaille pas. La dîme, ce n'est pas la dîme du salaire. La dîme, c'est la dîme de tout revenu. Je n'ai pas entendu. N'oublie pas une chose, chaque fois que Dieu te donne, chaque fois que Dieu te demande de donner, c'est parce qu'il veut te donner en retour. Quand il a dit à Abraham, apporte ton fils, c'est pas pour le tuer. C'est parce qu'il voulait lui donner les nations. Il dit, mais il faut que tu apportes. C'est un principe spirituel. Il faut que tu donnes pour que je te donne. Mais sauf que moi, quand toi tu apportes un, moi je donne multiplié. C'est ce qu'il va faire dans ta vie en ce mois de juillet au nom de Jésus. Voilà pourquoi chaque fois qu'on parle de donner, tu dois être enthousiaste, tu dois être reconnaissant et voir le fait de donner comme étant un privilège. Selon qu'il est écrit, il y a plus de joie à donner à recevoir, que ce soit notre système de pensée, parce que c'est le système de pensée des gens qui prospèrent à tous égards. Les pauvres, donner, c'est une souffrance. Les riches, donner, ils sont contents. C'est pour ça qu'on les appelle des philanthropes. Ils sont généreux, ils sont contents de donner. Nous sommes riches de la pensée de Christ au nom de Jésus. Nous avons la richesse du royaume. Alors incline la tête avec moi et tu vas présenter ton enveloppe. Tu vas présenter ton enveloppe avec ta dîme et tes offrandes. Tu vas présenter tes enveloppes et tu vas répéter cette parole avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je te suis reconnaissant pour le privilège, l'honneur, la grâce que tu nous fais d'apporter la dîme de tous nos revenus dans ta maison en ce premier dimanche du mois de juillet. Nous nous sentons honorés, privilégiés de te retourner cette dîme, ces offrandes que tu nous as données. Merci pour l'immense privilège, pour la grâce, pour les revenus. Seigneur, à cause de notre obéissance, à cause de notre obéissance à ce principe, nous déclarons que le dévoreur, celui qui volait les finances, celui qui dévorait tout, est éloigné de nous sur tout le mois de juillet au nom de Jésus. Aucune calamité,
aucun accident, aucun incident, aucune terreur soudaine ne nous affectera. Au nom de Jésus, aucune dépense qui n'avait pas été prévue ne viendra attaquer nos finances au nom de Jésus. Parce qu'en donnant, nous sécurisons nos finances et le dévoreur est éloigné de nous au nom de Jésus. Merci pour la grâce de t'aimer et de te démontrer cet amour par notre obéissance à cette loi spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Christ en nous, il est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi nous pouvons acclamer encore notre Dieu et le célébrer ce matin pour ce qu'il accomplit. De grandes choses et de merveilles dans nos vies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Ce combat n'est pas pour moi. Ce combat n'est pas pour moi. Christ est celui qui agit. Christ est celui qui agit. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Ce combat n'est pas pour moi. Celui qui agit avec force, puissance, autorité. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Il a terrassé l'ennemi de nos âmes. Et il l'a mis sous nos pieds. Christ est celui qui vit. Ce n'est plus moi qui vis. Non, non. C'est Christ qui vit en moi. Ce combat n'est pas pour moi. Celui qui agit dans ma vie. Si tu le crois, est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de reconnaissance, éclater en action de grâce pour Christ, l'espérance de la gloire, l'assurance de la victoire. Déclarons encore une fois, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce combat n'est pas pour moi. Christ est celui qui agit dans ma vie. Christ est celui qui agit dans ma vie. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce combat n'est pas pour moi. Christ est celui qui agit dans ma vie. Voilà pourquoi nous pouvons témoigner et déclarer qu'il est l'espérance de ceux qui n'en ont plus. Il est l'espérance, non seulement l'espérance, mais il est l'assurance de la gloire. Et nous pouvons dire avec assurance, Christ est ma vie, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Je déclare que Christ est ma vie, je ne craindrai plus rien, la peur n'est plus mon partage, car Christ est, il est ma vie, mourir m'est un gain. Je choisis librement de mourir en moi pour le laisser vivre. Et parce qu'il vit en moi, je ne craindrai plus rien. Face à moi, nul ne tiendra. Car Christ est ma vie. La peur a changé de côté. Elle est passée de l'autre côté. Parce que Christ est ma vie. Je ne craindrai plus rien. Alors pousse tes cris de joie. De la gloire, il est l'assurance de la victoire. Je peux le chanter et le proclamer en disant Christ, Christ en moi, en moi l'espérance, l'espérance de la gloire. Oh Christ, Christ en moi, il est l'assurance, l'assurance de la victoire. Je déclare que Christ en moi, il est l'espérance, l'espérance de la gloire. De la victoire, oh Christ, en moi, l'espérance de la gloire, oh Christ, en moi, l'assurance de la victoire, oh Christ, en moi, il est l'espérance de la gloire, je déclare que Christ, en moi, il est l'assurance.
de la victoire. Oh Christ, ma vie. Oh Christ, ma vie. Oh Christ, ma vie. Christ, ma vie. Christ, ma vie. Oh Christ. Seigneur, merci pour le chemin. Merci pour le chemin que tu nous fais prendre. Celui de la manifestation de la vie de Christ. Cette vie sera constatée totalement dans nous. Cette vie sera certifiée à cause, Seigneur, de ta fidélité, à cause de la soif que tu as mis dans nos cœurs et à cause de l'assistance de ton esprit. Merci de ce que tu le rendras visible. Et on verra Christ dans notre époque et dans notre génération, à travers les vases de terre que nous sommes. Merci. Merci Père, pour 21 plus un jour, ça fait 22, 21 plus un jour de visitation, d'habitation, d'inspiration, de propulsion, de déploiement, de témoignage, d'autorité, de puissance, de grâce, de compassion divine déversée. Merci pour l'accumulation de témoignages à la gloire de Dieu, pour la manière dont Saint-Esprit, tu nous as conduits, tu nous as portés, tu nous as transportés. Un immense sentiment de gratitude monte du plus profond de nos cœurs. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas célébrer ta bonté, ta fidélité, tes grâces et tes compassions? Au nom de Jésus. Merci. Je parlerai de ta bonté ce matin, de ta fidélité. Je dirai tout. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai. Je ne me tairai pas dans l'assemblée pour la manière dont tu m'as fortifié. Tu m'as vivifié. Je parlerai de ta et de ta fidélité. Et je dirai, je ne me tairai pas. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je raconterai à ma génération ce que tu as fait. J'allais annoncer sur les réseaux sociaux. J'ai dit que j'allais mettre sur mes pages. J'ai dit que j'allais faire des selfies pour témoigner de ta fidélité, de ta bonté. Je parlerai désormais. Au deuxième semaine, je raconterai. Je dirai ce que je proclamerai. La gloire, je parlerai de ta bonté, parmi les nations, je leur dirai, il n'a pas changé, Jésus vit, il est le même, hier, aujourd'hui. Je raconterai, je
dirai combien j'ai invoqué le Seigneur. Pendant 21 jours, il m'a fortifié, il m'a soutenu. Pendant 22 jours, 21 plus 1 de bonus, il a eu compassion de moi. Je dirai, il est assurément le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je suis sorti de là avec une rémunération. Oh, merci. Aucun de tes cris n'est resté sans effet. Aucune de tes supplications n'est restée sans effet et n'est restée silencieuse devant le trône de la grâce. Il a entendu mon cri et il m'a répondu. Voilà pourquoi aujourd'hui je parlerai. Je dirai, j'annoncerai, je proclamerai à ma génération que Jésus-Christ vit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui marchait dans les rues de Galilée, dans les rues de la Judée, dans les rues de Samarie. Je parlerai, je le dirai, il vit, il agit encore certainement. Celui qui avait compassion a toujours compassion. Celui qui faisait grâce fait toujours grâce. Celui qui relevait continue de relever. Celui qui brisait les jougs continue de briser les jougs. Celui qui ôtait les fardeaux continue d'ôter les fardeaux. Je parlerai. Je proclamerai la gloire, je parlerai, je ne me tairai pas, je témoignerai cette semaine et de ta vie. Je dirai, je ne me tairai pas. J'ai reçu des témoignages. C'est pour annoncer, c'est pour raconter, c'est pour publier parmi les nations des bienfaits. Je parlerai. Oh, Father, we are grateful. Même si plusieurs d'entre nous avons perdu un peu de voix, nos cœurs sont remplis de gratitude. Nos cœurs sont remplis de gratitude. Nous sommes la preuve vivante de ce que là on a dit que la France là, c'est trop compliqué. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. La France n'est pas capable d'empêcher le règne de Dieu d'atterrir si un peuple le cherche. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il remet de l'ordre dans sa vie, il a dit, moi Dieu, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays, je guérirai sa vie, je guérirai sa santé, je guérirai son foyer, je guérirai ses finances, je guérirai sa destinée, je guérirai son histoire, je guérirai son témoignage. Et lorsque nous voyons la manière dont le Saint-Esprit nous a conduits pendant 22 jours, je suis désolé, tu es obligé de reconnaître que Dieu a atterri à Paris, la capitale de la francophonie. Et en vérité, bien plus que Paris, Dieu a atterri dans la vie de ceux qui le cherchaient. Parce qu'au-delà de Paris, nous étions connectés, nous étions plus de 4000 personnes en moyenne chaque soir. Je parle de direct, je ne parle pas de rediffusion, je parle de direct. Plus de 4000 personnes en moyenne, des assoiffés connectés. Il y a un feu qui est descendu et qui se propage, qui s'est propagé et qui continuera de se propager. Une onde continuera. Chaque fois que tu seras connecté sur les 22 jours, chaque fois, cette onde va t'éteindre sur toi. Ce feu va te saisir. Cette vie va te pénétrer et t'impacter.
Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, on avait prévu un message, mais hier, le Saint-Esprit nous a convaincus de juste prendre le temps. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est simplement surnaturel. C'était divin. Vous savez, il y a réunion de prière et puis réunion de prière. Nous, on a vu ce qu'on appelle 22 jours de prière, mais que le Saint-Esprit commande lui-même. Il dit, prie comme ça, priez comme ça, priez comme ça. Dites ça. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Il nous a conduits pendant 21 jours. Nous-mêmes, ne t'inquiète pas, il n'y a pas que toi. Nous tous les premiers, on était dépassés. Les chants sont largués. Ils ne savent plus dans quelle direction on va aller. Des fois, je leur dis, avant de commencer, je leur dis, mettez tel son, telle chanson. Et puis dès que je prends le micro, la chanson a disparu. Je reste sur la mélodie et puis on est parti ailleurs. Donc ils disent, mais tu nous avais dit de préparer ça. J'ai dit, c'est pas grave. Allons ce moment-là où va. Je parlais avec. Waouh, quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Le vendredi, en fait, avant de commencer, je n'ai aucune direction. C'est quand je me mets au piano que j'entends le son, j'entends une chanson qui monte en moi. Et c'était, peut-être que je sentais le vendredi, c'était quoi? Vous-même, vous n'avez même pas connu la chanson parce qu'il y avait juste une pensée. C'était quoi? Le chant de vendredi, c'était lequel? J'ai chanté à la fin, là. Il y a 2-3 heures plus tard, c'était lequel? Sur Alpha Omega, là. C'était quoi, là? Oui, voilà. C'était à part toi. C'était à part toi. Et en fait, c'est ça que j'ai entendu. Quand je me suis mis au piano, j'ai entendu. Ça commence comment? Tu es le créateur. Tu es l'unique vrai Dieu. À part toi. Tu es le créateur. Tu es l'unique vrai Dieu. Ah, c'est ça. À part toi, il n'y a point d'autre. Ouais. Tu as envie de repartir doucement, doucement. C'est parce que tu es chargé d'Esprit Saint et de pouvoir cacher. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Omega. Je veux te dire à part toi, personne ne sauve, personne ne guérit, personne n'a compassion, personne ne relève. Personne n'est ma percée, personne n'est mon témoignage, personne n'est mon héritage, personne n'a pas. J'ai voyagé, j'ai été dans les sciences occultes, j'ai été dans les groupes ésotériques, j'ai été dans les points de nuit, mais je suis sorti de là avec un verdict, je suis sorti de là avec une conviction. Abonne-toi, Alpha, et tu n'es pas que mon Alpha. L'oméga de 21 jours de feu, 21 jours explosifs, 21 jours d'intensité, 21 jours d'effervescence divine. C'était ça le chant à l'origine. Mais quand on a commencé le chant, le Saint-Esprit m'a dit non, pas le chant, c'était juste la mélodie. Et puis, je parlais avec mon fils, un de mes fils dans la foi, et puis il me dit, mais si quelqu'un m'appelle, vous avez chanté quel chant? Je veux lui dire le chant qu'on a chanté. C'était juste, ah. Vous avez chanté un chant pendant 2 heures, le chant c'était, ah. Ah, c'était ça. Et puis on a commencé, ah. Ah, ah. Pendant 2 heures, qu'on chante avec c'était un soupir du Saint-Esprit. Oh, aïe, 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 Combien peut-on vivre 3 heures de feu avec ah.
Tu veux savoir comment? Va écouter sur internet. Ou alors, le mieux, c'est prendre le coffret. 21 jours de feu. 21 jours explosifs. Waouh. C'était. Et pendant plus de 2h30, c'était juste ça. C'est à la fin, quand on a fini vers les 3h de temps, que le chant est revenu dans mon cœur. Maintenant, tu peux le chanter. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es trop fort. Mandelebo, acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Oh magnifique, qui nous a porté, qui nous a transporté, qui nous a visité, qui nous a habité, qui nous a embrasé, qui nous a libéré, qui nous a relevé, qui nous a restauré, qui nous a ouvert les voies qui étaient fermées. Et la marche à l'élévance. Fais monter, fais monter. Si tu te sens comme une gratitude. Il est le rémunérateur. Il nous a donné cette parole. Il m'a dit, je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. Donc, le prix payé, la quête, les privations, on n'achète pas Dieu. Mais on peut implorer ses grâces et sa compassion. Et il m'a donné la certitude que tous ceux qui l'ont cherché, que tu l'aies ressenti ou pas ressenti, tu es sorti de là avec une rémunération. Pas avec une. Je vais te lire des témoignages. Aujourd'hui, ce sera un témoignage, une journée juste d'action de grâce. On va juste rendre grâce à Dieu. Mais il y a des gens qui sont sortis de là, pas avec un témoignage, pas avec une rémunération, avec plusieurs rémunérations. Je vois plusieurs rémunérations impacter différents domaines de ta vie dans le nom de Jésus. Dis avec moi, waouh. Aujourd'hui, en fait, on a oublié le vendredi de demander aux gens en sortant de témoigner, parce qu'on avait pris beaucoup de temps déjà, on a oublié, mais en sortant d'ici, il y avait une atmosphère, une telle présence de Dieu, un tel feu. Une jeune fille m'a envoyé un message de Washington, c'était le jeudi, elle m'a dit que quand j'ai dit tenez-vous main dans la main, elle était tout seule devant son écran, devant son téléphone portable. Elle me dit que j'ai touché mon téléphone, j'ai mis une main sur mon téléphone, une main sur mon téléphone portable. Elle me dit, mais moi, mon témoignage, j'ai pas de problème de maladie et tout ça. Elle me dit, moi, tout ce que je demandais à Dieu, c'était de guérir mon cœur. Parce que mon cœur a beaucoup d'histoires compliquées. J'ai demandé juste à Dieu de me libérer, de libérer mon cœur. Elle dit, quand j'ai touché mon écran d'ordinateur, j'ai mis la main sur la tête. Elle me dit, pasteur, j'ai fait écouter à ma femme. Elle a fait un WhatsApp, non, un Facebook audio. Ma femme, message audio. Elle me dit, waouh, dès que j'ai touché, il y avait un feu qui n'arrêtait pas de descendre. C'était comme ça crépitait. C'était un feu. J'étais là, waouh, une décharge. Waouh. Il n'y a pas de petit témoignage. Il n'y a pas de témoignage plus important que d'autres parce que chacun de nous a son histoire. Il y a juste des successions, des accumulations de témoignages à la gloire de son nom. N'oublie pas que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, virgule, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ou encore littéralement ceux qui ont le cœur fracassé, broyé, cassé en mille morceaux. C'est ça, le mot grec de briser signifie fracassé, broyé, cassé en mille morceaux. Et malgré, quel que soit l'état de ton cœur, sois certain que tu as été rémunéré avec un cœur rempli de paix, avec un cœur rempli de joie, avec un cœur rempli d'allégresse, un cœur à la gloire de son nom. Comment rendrai-je au Seigneur ses bontés envers moi? Il m'a rémunéré. Je suis sorti de là avec des rémunérations. Certains, c'est le mariage. C'est pour cette année 2017, je te dis. Certains, c'est un témoignage, une visitation, faveur financière, faveur de tous côtés, accès, opportunité, connexion, distinction.
et ma garçon du vie. Je lève les mains, j'acclame. Alors, le Saint-Esprit m'avait dit, il me l'a dit hier matin, il m'a dit, plusieurs d'entre vous, et d'ailleurs, plusieurs chargés de prière ont témoigné. Ils ont dit, mais vendredi là, c'était particulier. C'est-à-dire que tous les gens que je touchais étaient guéris instantanément. Les mal de dos disparaissaient, les trucs disparaissaient. Les gens tombaient comme des mouches. Et je dis, vendredi, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passait? Il y a eu des libérations extraordinaires. Il y a même eu des démons, je vous le dis, qui, avant même qu'on ne commence, dès qu'ils ont vu comment c'était en train de venir là, comment l'esprit de vie était en train de venir dans la vallée des ossements desséchés, je vous dis, il y a des démons, ils ont dit, oh, pardon, ici là, chou. Dis-le, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Tu ne reviendras plus jamais. Tu ne reviendras plus jamais. La vérité, vous savez, la vérité, c'est une question d'atmosphère. Vendredi, c'était une atmosphère de foi. Le Saint-Esprit nous avait dit le matin, quand on priait entre nous, on était une poignée de pasteurs, de responsables, on priait. On priait. On a compris le secret. Le secret, c'est qu'il faut que la mort agisse à travers certaines personnes pour que la vie agisse à travers d'autres personnes. Vous voyez, c'est pour ça que, je crois que c'est pour ça que Dieu dit d'honorer les autorités, de respecter les gens qu'il a placé au-dessus de toi. Parce que tu ne sais pas le prix qu'ils payent. Tu ne sais pas la souffrance qu'ils endurent. Pendant que toi tu renflais, jeudi et vendredi, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Je vous ai dit, la présence manifeste de Dieu ne se manifeste pas là où il y a un cœur aigri qui parle mal, une bouche qui parle mal, un cœur qui est aigri, un cœur qui critique, qui calomnie. Dis amen. Amen. Maintenant, une fois qu'elle est là, il y a un autre secret. Je vous ai dit, 5 minutes au soleil, ce n'est pas pareil que 5 heures au soleil. Ça ne produit pas la même intensité sur ton être. Donc, il y a des choses, on peut prier, mais il y a des choses, on sait qu'il y a un prix qui est inévitable, qu'il faut payer. Pendant que toi, tu dormais, nous, on était là, et ma femme, et les pasteurs là, que tu vois là, beaucoup d'entre nous, pendant, on finissait ici, on quittait ici, on rentrait à la maison à 22h15. À 3h30, on se levait. À 4h pile, on se retrouvait. On prie 4h à 6h. Après, 1h de sommeil. En train de bailler, il n'y a pas de problème. 4h à 6h, 1h. Après, 7h30, 9h30, on prie 2h encore. Et puis après, on fait une pause de 1h. On reprit encore de 11h à 13h. Et le soir, on revenait ici pour conduire la prière. Ouais. Tu ne le savais pas. C'est pour ça que Dieu dit de respecter. Parce que si tu maudis dans ton cœur, tu parles mal, alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir un prix que tu ne souffres pas, c'est une malédiction que tu récoltes. Mais ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Mais on a compris, bien aimé, il y a un prix à payer. Mais ça vaut la peine de payer le prix. Quand tu vois les témoignages que tu as, il y avait une atmosphère électrique. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas visité juste à cause de ta foi. Dieu t'a visité parfois, toi tu ne croyais pas. Dieu t'a visité à cause de la foi corporative. Les gens. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu dois témoigner. Sur internet, il y a plein qui ont été visités. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter. Chacun doit témoigner. Tu avais promis, non? Tu as préparé ton téléphone portable. Photo, je n'y crois pas. Filme-toi. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que Dieu a fait. Ce n'est pas ta tête. Moi, par exemple, ma femme est très photogénique. Moi, je l'étais, je le fus. Je le fusse. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais gloire à Jésus, chacun a ses grâces. Nous regardons la beauté intérieure de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Filme, publie. Et quand tu publies, il m'a dit, fais connaître à cette génération que Jésus n'a pas changé. Fais connaître. C'est pour ça que tu vas publier ta vidéo, raconter. Il n'y a pas de petit témoignage. Ne dis pas, moi c'est juste, maintenant j'ai la paix. Oh,
Est-ce que tu as aidé du nombre de gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas la paix? Témoigne. Fais une vidéo. Poste-la sur ta page. Et tu mets à la fin de la vidéo hashtag, c'est-à-dire dièse, Jésus agit encore. Il faut que cette page, Jésus agit encore, soit saturée de cascades de témoignages où les gens, où nous-mêmes on va aller lire, on va aller écouter. Tu peux écrire, tu peux publier une vidéo. Nous-mêmes on va aller voir, dire waouh, cette personne a vécu ça, waouh, waouh. Parce que pour nous, on n'a pas eu le temps. Il y a quelques personnes qui ont été plus rapides que toi, qui dès le vendredi soir ont envoyé des messages, dès vendredi et samedi. Mais la plupart d'entre nous, on a été visités, on n'a pas encore témoigné. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu ne témoignes pas, Satan va voler ton témoignage. Il ne volera pas. Voilà pourquoi il dit de témoigner. Va témoigner. Raconte ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu as expérimenté pendant ces 21 jours? Raconte ce qu'il a fait. Nous sommes remplis de gratitude. Waouh, quelqu'un me dit amen. Il y a des sœurs qui sont remplies de gratitude envers le pasteur Ivan. Parce que pasteur, tu as entendu et tu as obéi. Grâce à toi, pasteur Ivan. En fait, c'est... Là, c'est pas Dieu. Là, c'est grâce à toi, pasteur Ivan. Mes kilos. Donc, je ne parvenais pas à me débarrasser. Ma robe a commencé à flotter. Merci, pasteur Ivan. Tu dois me faire une offrande d'action de grâce pour avoir perdu tes kilos en trop. Alléluia, gloire à Jésus. Je t'ai aidé. Maman, tu ne vas pas dire amen, non? Qui a perdu un peu de poids quand même? Regardez, même moi je flotte dans ma veste maintenant. Je dis Seigneur, cette affaire-là. Waouh, acclame, 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 acclame. Mais Seigneur, vraiment merci parce que ce n'est pas la fin. Mais c'est un commencement d'une étape nouvelle. C'est un commencement d'une phase nouvelle, d'une autorité nouvelle, d'une intimité nouvelle, d'une puissance nouvelle, d'une manifestation nouvelle du Saint-Esprit qui ira en s'intensifiant. Où? Ça part d'ici, la capitale de la francophonie. Là, on a dit c'est le cimetière des églises. Dieu a montré que là, on a dit c'est la vallée des ossements desséchés. Il est capable d'envoyer l'esprit de vie et de faire revivre ce qui avait été déclaré mort. Ça sera ton partage et mon partage. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Ah, 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 yara, mama, bro. Yelele, mama, yelele, mama, sautele, mama. Oh, tu vas écouter. Tu vas arrêter d'écouter n'importe quoi. Tu vas te bercer dans cette présence. Et un feu, quand tu as, un feu va te saisir. Mets-le à quelqu'un qui est à l'hôpital. Envoie-le, dis, connecte-toi seulement. Ne dis rien si tu es accouché. Mets ça dans quelqu'un, auprès de quelqu'un qui est dans le coma. Mets seulement cet environnement. Une vie va sortir. Un feu va sortir. Ah, je vois des ossements desséchés. Reprendre vie. Il insiste. Quelqu'un qui est dans un lit d'affliction, quelqu'un qui est dans un lit de tourment, joue seulement ses sons en boucle. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Envoie-le, envoie le lien. Dis, écoutez seulement. La personne est là, paralysée, elle ne bouge pas, elle n'arrive pas, ça ne va pas. Mets le son. Tu verras. Tu enverras un message de témoignage. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Bon, vous avez besoin de vous asseoir ou vous voulez rester debout? Je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans la vie de certaines personnes qui ont envoyé leur témoignage. Asseyez-vous dans sa présence. Si vous voulez pas chanter, moi je vais chanter. Ah, ya mama rarere ma, ah, yerere mosori. J'ai pas souhaité bienvenue à notre grande famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la famille internaute? Ceux qui sont avec nous chaque dimanche à travers Internet. Ah. Donc aujourd'hui, on veut prendre le temps de dire merci à Dieu. Je priais pour faire un culte de 2 heures, mais là, déjà, la manière va s'engager là.
Parce que je soupire toujours, je dis Seigneur, j'aimerais faire 2 heures de kick-tap. Bon, chacun sa grâce. Et une grâce, je ne l'ai pas encore manifestée. Mais la vérité, c'est le temps que je prends dans l'adoration. Mais ça vaut la peine. Parce qu'elle permet à quelqu'un d'expérimenter la présence manifeste de Dieu. Je connais des multitudes de pasteurs et de femmes de pasteurs qui m'ont dit qu'avant d'aller prêcher, pasteur Ivan, je mets vos adorations prophétiques. Ça me charge à bloc avant d'aller faire le ministère. Nous sommes une bénédiction pour les nations, un pacte sans chrétien. Wow. Alors, en attendant de recevoir vos témoignages, vous allez donner en sortant d'ici. Mais ne t'arrête pas juste en donnant en sortant d'ici. Mets ta vidéo. J'ai pas entendu Amen. Ou alors, si tu peux écrire, écris-le. Hashtag dièse, c'est-à-dire dièse. Jésus agit encore. Jésus agit encore. J'ai reçu donc quelques témoignages que j'ai juste à cœur de vous partager. Jésus n'agit pas dans un seul domaine. Il agit dans tous les domaines. Il agit là où tu crois qu'il peut agir. Ne le limite jamais. Quelqu'un dit Amen. Joseph, toi, assieds-toi ici. Ah, comme ça on va chanter. Ah. Non, allez-y. En fait, c'est comme vous voulez, en fait. Hein, vraiment. C'est vraiment là, c'est chacun. Moi, je suis comme un aigle. Vous savez, moi, je vole tout seul. Mandelere rababo, ele man, shararababo, ele rababo, shayere rababo. Quelqu'un me dit gloire. Donc je vous partage le téléphone de Marie-Catherine dans le témoignage. Ça parle de l'augmentation de son salaire. Jésus agit dans tous les domaines. Amen. Tu me diras, c'est naturel. Non, attends. Parce que tout ce qui arrive, on commet l'erreur de croire que tout est naturel. Il y a des choses qui sont surnaturelles. La preuve de ce que pour elle c'était surnaturel, écoute son témoignage. Elle dit, cela faisait 2 à 3 ans que je demandais à ma responsable un changement de statut. À chaque fois, ma demande était repoussée. Ma responsable disait toujours que le changement de statut ne pouvait pas se faire alors que je correspondais aux critères permettant d'obtenir une augmentation financière. Le lundi 12 juin, en plein 21 jours, alors que je ne m'y attendais pas, ma responsable m'a présenté un avenant de contrat stipulant qu'un changement de statut serait effectif. Et en plus de ce changement de statut, j'ai eu droit à une augmentation de ma rémunération. Moi, j'ai discerné en esprit que l'augmentation de ta rémunération a été permise par Dieu pour te permettre de donner plus dans les bâtisseurs du royaume. Oh, chanter les bros. Ce n'est pas pour t'acheter un nouveau téléviseur. C'est pour mettre Dieu d'abord en premier, selon qu'il est écrit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce n'est pas que pour Marie, c'est aussi pour toi. Amen. Elle dit, j'ai remarqué que c'était le signe de la distinction lorsque ma collègue m'a dit qu'elle n'avait pas eu d'augmentation depuis plus de 3 ans. Mais pourquoi toi tu étais augmenté, on a changé ton statut, on a changé ton salaire, alors que moi on n'a rien changé? Tu dois lui répondre, c'est parce que en ce qui me concerne, le bonheur et la grâce et la miséricorde pour moi m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel et je donnerai dans les bâtisseurs du royaume. Wow. Quelqu'un me dit Amen. Jésus agit encore, Jésus agit partout. Le témoignage d'Yvonne dit ceci, c'est un témoignage, elle dit que j'étais à découvert sur mon compte bancaire. J'ai reçu une lettre recommandée me sommant de rembourser mon découvert avant le 9 juin 2017. Étant sans ressources, je n'avais aucun moyen de régler cette dette. Désormais, tu auras des moyens au nom de Jésus. Le 9 juin, ma conseillère m'a contacté pour me dire qu'elle allait virer donc 1460 euros sur mon compte et qui provenait du compte de mon fils. Donc cette proposition me semblait surprenante car le compte de mon fils était lui aussi supposé être à découvert. Ça, c'est quelle histoire ça? Maman a découvert
fils a découvert, cette malédiction de pauvreté s'arrête, elle est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Tu rentres dans la dimension de la provision divine et demain de l'abondance au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc elle dit que pour ma conseillère, il ne s'agissait pas d'une erreur parce que la somme de 1460 euros était miraculeusement bien disponible sur le compte de mon fils. La conseillère était incapable de m'expliquer la provenance des fonds. Donc la somme d'argent a été virée par la suite sur mon compte et cela m'a permis de rembourser ma dette. C'est vraiment un miracle car Dieu a surnaturellement remboursé mon découvert et m'a exempté de toutes les pénalités. Waouh! Waouh! Dis avec moi, waouh! Wow. Le témoignage de Betty que je vous partage maintenant. Betty, c'est une personne qui a reçu un cœur nouveau alors qu'elle avait un problème d'insuffisance cardiaque. Elle dit ceci, souffrant de l'hypertension artérielle depuis plusieurs années, j'ai suivi plusieurs traitements et hospitalisations. Vendredi dernier, pendant la prière, j'ai été visité par le Saint-Esprit, comme le pasteur l'a proclamé. J'ai mis ma foi en action et j'ai saisi la parole pour ma guérison. Quand je suis allé faire mon IRM, le médecin a pu constater qu'il n'y avait plus de traces de maladie dans mon cœur. Waouh! Une de plus sur la liste des personnes qui ont reçu un nouveau cœur. Je te vois prochain sur la liste, prochaine sur la liste. Si tu as un problème de cœur, tu ne connaîtras pas le AVC. Ton cœur est totalement neuf au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Deux heures de A. Tu l'as dit à quelqu'un, nous on a adoré juste sur un son, c'était A. La présence a été libérée sur un son. Avec plein de paroles qui sortaient. Wow. À un moment donné, je sentais des démons tellement désolés. Il y avait une présence là. Vous savez, il faut arrêter de croire. Parfois, les gens misent tout sur le pasteur, sur l'homme de Dieu. La vérité, c'est qu'il faut tout miser sur le Saint-Esprit. Il y a des gens qui me disent, je veux que tu pries pour moi. Je dis, frère, Viens à la réunion de prière. Il dit, non, je préfère que ce soit individuel de mon bureau. Je lui dis honnêtement, hein, si je prie de mon bureau, je peux prier. Je l'ai déjà fait. Je lui dis, mais tu vois, la Bible dit 1 chasse 1000, 2 10 000. Il y a une dimension de la prière corporative, de la présence de Dieu, qui se manifeste lorsque un peuple entier est assoiffé. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être seul dans son bureau. Et parfois, quand la présence là est là, même les démons que tu connais pas vont sortir. Les choses, mais en fait, c'est ce qu'on voit. C'est, ne mets pas l'accent sur la personne. Oh, rends grâce à Dieu. Mais ensemble, quand on dit jeûne et prière, mon frère, sois présent. Ma soeur, sois présente. Ensemble, là, quand on a soif, je suis optimiste pour Paris. Je suis optimiste pour la France. On m'a dit non, la France, c'est compliqué. N'ayez plus pitié de la France. Dieu n'a pas pitié de la France. Dieu cherche des assoiffés en France. Seigneur, tu as trouvé des assoiffés dans ce pays. C'est toi-même qui produis cette soif. C'est toi-même qui étanche cette soif. Merci Seigneur. Le frère Barthélémy a été guéri d'allergie chronique depuis 12 ans. Je dis que si tu as des problèmes d'allergie, tu es le prochain ou la prochaine sur la liste. Et que c'est pour cette année 2017. Il n'y a aucun objectif qui sera pour 2018. Tout ça se manifeste maintenant. C'est la saison. J'ai pas entendu. Il dit, depuis 12 ans, je souffrais d'allergie. Je suivais des traitements car j'étais gêné par des éternuements chroniques. Et à chaque fois que j'éternuais, je crachais du sang. En arrivant en France, j'ai reçu d'autres traitements qui n'ont pas fonctionné. Les médicaments que je prenais n'avaient aucun effet sur mes allergies. Pendant les 21 jours, le vendredi 13 exactement, après une imposition de main, j'ai reçu la guérison. Et depuis ce jour du 13 juin jusqu'à aujourd'hui, je ne souffre plus de ces allergies. Et les éternuements ont totalement disparu. Dis amen. Il y a un autre message que j'ai reçu hier. Tout ça c'était hier. Que j'ai reçu hier sur ma page Facebook. C'est une sœur qui écrit. Elle habite à Bruxelles. En Belgique, à côté de Bruxelles. Et elle me dit que j'ai commencé avec vous ces 21 jours de jeûne et prière. Hier, comme tous les jours, j'étais en ligne au moment de la prière. C'était le jeudi. Elle dit, Oméga m'a touché.
et il a mis fin à mes oppressions, aux oppressions sataniques que je ressentais. Cela faisait plus de 3 mois que je ne dormais plus la nuit, mais hier je suis arrivé à dormir. Alors, elle a dit seulement hier je suis arrivé à dormir, elle a envoyé ça le vendredi. Donc je lui ai envoyé un message hier soir. J'ai dit alors, est-ce que vous avez dormi? Elle m'a répondu ce matin en me disant, pasteur, depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, je dors comme un bébé. Aramacha. Il a dressé une muraille impénétrable de feu autour d'elle. Quiconque veut traverser la muraille brûle de la tête aux pieds au nom de Jésus. Mais dis-moi amen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Wow. Il y a un autre frère qui est à Poitiers. Il a dit alors que nous étions connectés tous les soirs, pendant les 21 jours, les gens étaient connectés tous les soirs. Depuis les États-Unis, les gens se connectaient en plein jour. Depuis la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Alors qu'on était connectés pendant les 21 jours dans la présence de Dieu. Ce jeudi 29, on était en direct et j'avais mal aux pieds. Durant la prière, un mal de pied qui n'était pas normal ni explicable. Et un mal de pied qui n'existait même pas avant la prière. A commencé à surgir au niveau de son pied. Quand tu n'as pas mal au pied et que tu commences à prier, la présence de Dieu est là et soudainement le pied commence à faire mal. Et il dit qu'à un moment donné, il a senti que son pied était bloqué, paralysé. Ce n'est pas naturel. C'est démoniaque. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je priais en esprit, le pied paralysé, bloqué. Je voulais m'asseoir quand j'ai entendu une voix qui m'a dit de rester debout malgré le fait que j'avais mal. Soudainement, au travers du pasteur, le Saint-Esprit a envoyé une parole et il a dit, Oméga. Il a dit, Oméga. Alors que j'avais mal, le Saint-Esprit a dit au travers de son serviteur, toute maladie, maintenant et pas demain, prenne fin au nom de Jésus. Et il dit, le pasteur a dit ça avec audace, il a cru. Il a reçu cette parole et instantanément, la douleur au pied a disparu. Et il dit, je croyais, j'ai cru et lorsque je bougeais mon pied, je ne ressentais rien. Cela s'est fait instantanément. Et il me dit, pasteur, j'ai vu des miracles, celui-là, mais celui-là, je ne l'avais jamais expérimenté. Vraiment, j'avais mal, mais dès que la parole est sortie, j'ai reçu et ça a été instantané. Et puis il met, waouh, la santé divine. Waouh, mon frère. Nous sommes d'accord. Wow. Alors, j'ai même des témoignages insolites. Dis avec moi insolite. Ça veut dire ça, c'est vraiment, ça m'a fait rire. J'ai dit waouh, ça m'a épaté, ça m'a amusé. Il y a une personne qui m'a envoyé un message et dit, pasteur, il y a de cela 4 jours que j'avais raté la prière en direct de 21 jours de jeûne. Donc, elle a raté la prière de 21 jours de jeûne. Alors que je cherchais la vidéo sur le net, je suis tombé sur une autre vidéo de 21 jours de l'année passée, donc de décembre. Et le titre de ces 21 jours-là, sur lequel elle est tombée, c'était « Fin de combat ». Elle dit, pasteur, donc elle a regardé, puisqu'elle ne trouvait pas la vidéo du jour qu'elle cherchait, donc elle est partie chercher le jour 20 ou le jour 21, je ne sais pas, je crois que c'était le jour 20, de « Fin de combat ». Elle dit, dans cette vidéo, vous avez invoqué le feu invoqué le feu de Dieu dans nos vies, et ça fait depuis ces 4 jours-là, ça me brûle dans le dos. Alors c'est pas fini. Elle dit, je me lave, mais ça ne part pas. Alors même où je vous écris, ça brûle toujours, ça me chauffe dans le dos. Et quand je touche mon dos, la chaleur qu'il y a à l'intérieur ne se fait pas ressentir à l'extérieur. Donc elle me dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, maman, rends grâce. Ça veut dire qu'il y a une purification, un feu qui est en train de t'embraser de l'intérieur. Il est en train de brûler tout ce que le Père n'a pas semé. Je déclare dans ta vie que tout ce que le Père n'a pas semé est consumé et déraciné. Dis-moi. Ah. Wow. C'est trop fort. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que non. Moi, je veux les 21 jours de cette année. C'est de l'année passée, c'est passé. Non. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Je n'ai pas entendu ton amen. La parole n'est jamais obsolète, jamais démodée. Tout dépend de la foi que tu mets dans la parole que tu es en train d'entendre. C'est tout. Je suis émerveillé. Mais alors là, je vais vous donner un témoignage qui m'a trop fait rire.
C'est le témoignage. Ne mettez pas le titre. Ne mettez pas le titre, s'il vous plaît, parce que là, il faut que je vous explique ce que c'est. Parce que c'est un témoignage. Je dis waouh. Elle dit bonjour, pasteur Castanou. J'étais de la famille internaute depuis. Je suis de la famille depuis un an. Je suis les enseignements via Internet. Parce qu'avec mes parents, c'est compliqué de venir à l'église. Ils sont très religieux. Et c'est à la limite, ils m'enferment à la maison. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que je ne vienne librement. Par la grâce de Dieu, je suis venu pour la première fois au premier jour de jeûne et à certains jours de la semaine et certains cultes de dimanche. Ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'en écoutant hier soir, donc ça, elle a envoyé ça le mardi. En écoutant hier soir via l'application Smart ICC, il y a un moment où vous avez parlé en langue. Et ce jour-là, c'était le jour où on était en train de prier pour que Dieu nous accorde la grâce de l'aimer, quelque chose comme ça. Et donc c'était à un moment donné, vous avez parlé en langue, mais la langue que le Saint-Esprit vous a fait dire, elle dit c'était avec grand M majuscule et A majuscule, elle dit c'était ma langue maternelle. Et quelle langue? Elle me dit c'est le Tagalog. C'est la langue parlée aux Philippines. J'ai dit quoi? Wow. Eh bien, attendez. Elle dit, je vous traduis ce que vous avez dit. Vous étiez en train de dire, je t'aime toi seul, Seigneur. Et puis elle-même, elle a mis, waouh, le Saint-Esprit, vraiment là, il m'a surpris. Alors moi, je lui ai dit, je lui ai mis en réponse, j'ai dit, non. Après, j'ai mis, waouh. J'ai dit, vous êtes sûr? Moi, elle engage des Philippines. Elle me dit, oui, pasteur, j'en suis sûr et certaine. J'ai même mis le replay. Parce que je suis d'origine philippine. Vous avez parlé le Tagalog. Donc, à partir d'aujourd'hui, je parle, paraît-il, Tagalog, Katava. Lego, Sapra, Ange, Lego. Non! Le Saint-Esprit est extra. Acclame le Saint-Esprit. Acclame! Waouh! Là, dans, ajouter ça aux langues que je parle, paraît-il. Ou l'art de parler une langue que tu ne sais pas parler. Et quelqu'un dit que tu as parlé, et lui, il a compris ce que tu as dit. Quoi? Le Saint-Esprit est en train de nous amener dans une dimension. Oh, quelqu'un me dit gloire à Dieu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Je partage un autre témoignage que j'ai reçu du Cameroun. Cameroun. Elle dit, je suis le jeûne et prière depuis le Cameroun. Et voici mes premiers témoignages. Et puis elle me dit, il y en aura d'autres. Elle dit, depuis décembre, j'ai postulé à une admission pour des études à l'étranger. Et ça a tellement traîné que je ne pensais plus à ça pour cette année. Oh, pendant le jeûne et prière, c'est ce qu'elle dit, vous avez dit que la rémunération se fera cette année et pas l'année prochaine. Et elle dit qu'elle a reçu une lettre où tout laissait croire qu'elle allait recevoir la réponse de l'université l'année prochaine. Mais elle dit, j'ai cru quand vous avez dit que c'était pour cette année. Il y a quelqu'un qui croit à la parole qui a été annoncée. Elle dit, j'ai cru et j'ai dit à Dieu, paix, j'attends ça cette année. Et elle me dit, le 21e jour, j'ai reçu un courrier qui notifiait que j'ai été admis. Le 21e jour. Wow. Dieu n'agit pas dans un domaine seulement. Dieu agit dans plusieurs domaines. Là où tu crois qu'il agit, c'est là qu'il agit au nom de Jésus. J'ai pas entendu toi, mais... Elle n'a pas fini. Parce qu'elle me dit, elle a 4 témoignages, 4 rémunérations. Je te vois, toi, dépasser les 4. Maintenant, moi, je dépasse les 4 au nom de Jésus. Seigneur, il y a trop de défis, trop de montagnes. Il y a trop de besoins dans ma vie. Ma vie doit être une source de bénédiction. Waouh. Elle dit, deuxièmement, on m'avait diagnostiqué il y a 10 ans
un myome sous sérophongique. Bon, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on m'a expliqué que c'est un fibrome. On m'a même diagnostiqué un myome sous sérophongique il y a plus de 10 ans. Elle est au Cameroun, elle n'est pas ici. Elle est au Cameroun, connectée avec la soif. Elle me dit, depuis des années, je priais. J'avais refusé l'opération. Mais elle dit, à l'issue de cette convocation de 21 jours, je ne sais pas comment, le myome a disparu. Je le vois totalement désintégré dans ta vie. Totalement désagrégé. Il meurt. Il sèche à la racine. Non, si tu crois, je vais t'entendre dire un bon amen. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a aucune montagne trop haute qu'il ne puisse déplacer. C'est une question d'intensité de son feu. Augmente le feu. Augmente la consécration. Et ces choses qui te tracassaient ne te tracasseront plus. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Son troisième témoignage, elle dit, c'est pas fini pasteur. J'étais oppressé par des esprits de mort, d'angoisse, d'inquiétude, de peur. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur palpitait et je m'attendais toujours au pire. Les esprits de mari de nuit. Bon, elle a mis poison de nuit, je ne sais pas ce que c'est. Elle dit mari de nuit, poison de nuit, des oppressions sexuelles. Chaque fois que je voyais un homme, je m'imaginais avec lui au lit. Elle dit, j'ai crié à Dieu, j'en avais assez. J'ai crié à Dieu pendant ces 21 jours. Et elle rajoute en plus, dans ma chambre la nuit, depuis le Cameroun, dans ma chambre la nuit, il y avait toujours à une certaine heure tardive, des chats, des souris qui organisaient un bal. Non, mais moi j'ai vécu ça avec ma femme. Je vous en ai parlé une fois. Où les chats font un bruit, tu sais que ce ne sont pas des chats. On a vécu ça. Ce jour-là, quand je me suis réveillé, comment ça? Qui dit, qui ose ça? Qui ose faire du bruit? Je me suis levé. Dès qu'avec ma femme, on a commencé à parler, juste à commencer à parler, les voix se sont tues et ils ont fui. J'ai dit, vous avez la chance. Parlez, marchez, les bros. Et le Saint-Esprit m'a révélé que c'était un esprit de sorcellerie. Elle dit, depuis le début du jeune pasteur, le phénomène a totalement disparu. Tu sais pourquoi? Il y a eu un feu qui va traverser cette colonne muraille de feu. Qui est fou? Quand les démons ont dit aux démons, toi vas-y, il dit non. Même ceux qui habitaient en elle là, ils ont dit pardon. Frère, il y a une puissance dans la parole libérée ici. Waouh. Elle dit, j'ai reçu la libération totale. Je suis libre, affranchi. Elle dit, les futurs témoignages arrivent. Et puis mes mariages. Donc ça veut dire que c'est une sœur. Elle dit, je suis admirative et contemplative face à la visitation divine. Le Saint-Esprit est juste, elle fait waouh. Clamons, acclamons, acclamons. J'ai un autre témoignage de Yvette. Ça c'est ici, à Paris. Ça c'est Yvette. Yvette, ça fait 2 ans qu'elle cherchait du travail. Elle ne trouvait pas de travail. Ça fait plus de 2 ans. Et puis quand on a prié pour Yvette, elle a été reçue en entretien par le staff pastoral. Et quand le staff pastoral priait pour eux, ils ont discerné, le Saint-Esprit leur a montré que pour le cas d'Yvette, la raison pour laquelle elle ne trouvait pas de travail, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais tout n'est pas naturel. Pour Yvette, la raison pour laquelle elle ne trouvait pas de travail, le Saint-Esprit leur a montré qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui avait volé son travail. C'est comme si elle avait échangé. Enfin, en tout cas, ils ont reçu un discernement que c'était spirituel et que c'était un esprit qui causait ça. Et dès qu'ils ont dit ça, l'esprit a commencé à se manifester à travers Yvette. Elle a dit, oui, c'est vrai, je reconnais. C'est moi qui ai volé son travail. C'est moi qui ai bloqué son travail. C'est moi qui ai bloqué son mariage. Je reconnais. Et puis la sœur Yvette pour laquelle on priait, elle-même, elle a eu comme en vision le visage de la personne qui était concernée. Elle a vu la personne.
pendant qu'on priait pour elle. Et l'esprit disait, oui, je reconnais. Donc, à force d'envoyer le feu, l'esprit dit, d'accord, je rends son travail, je rends son mariage, je rends tout. Mon frère, dans la semaine, les quelques jours qui ont suivi, il va être en train de travailler en CDI. Waouh! En CDI! Waouh! Dis à quelqu'un, Jésus agit encore. Bien-aimé, Jésus agit. Je suis excité. C'est la vie de Christ. C'est cette vie-là que nous tous on manifeste au nom de Jésus. Où tu deviens un solutionneur de problèmes. La mort à toi, la mort de Christ passe par toi, mais afin que la vie de Christ agisse à travers toi. Ta vie devient une solution. Dis Amen. Waouh. J'ai pas le temps, à cause du temps qui passe. Ici, Jessica, elle est placeur. Elle est quelque part. Oui, tu es là. Bon, mais à cause du temps, j'ai compliqué. Jessica est tombée. D'abord en 2014, elle avait un problème. Elle a été déclarée. Oh, viens vite, bon, allez, je te donne quand même. Une minute, hein, mais c'est moi qui contrôle. Donnez-moi le micro. Ah, c'est moi qui interroge. Parce que, femme là, si tu ne mets pas les verrous là, frère, on est parti pour un speech. Sauf ma femme. Jessica, en 2014 déjà, elle a été guérie. Mais elle travaille, là où elle travaille, on l'avait déclarée handicapée, adulte handicapée et invalidité. Parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'elle avait, c'était quoi? Une hernie discale. C'est ça? Ils n'ont pas compris comment je t'ai guéri miraculeusement. Donc ils m'ont déclaré adulte handicapé. Ils ont dit on refuse ça. On te met quand même adulte handicapé, invalide. Ils ont refusé. Voilà. Et maintenant, en février dernier, alors qu'elle était en train de servir à l'église, elle est tombée dans les escaliers. Mais c'est pas que c'était pas à cause des talons. C'est juste qu'elle est tombée. Elle est tombée dans les escaliers. Et moi, j'étais reçu en entretien. En mai. Juste deux semaines avant les 21 jours à peu près. En fait, je suis tombée dans les escaliers et je ne marchais plus. Suite à ça, je ne marchais plus. Donc, le pasteur Ivan m'a reçu. C'était fermé, c'est ça? Fermé, voilà. C'était juste quand on venait de sortir de nos 3 jours de prière. Il m'a reçu, donc soutenu par ma responsable Tania Mori, dans son bureau. Et Dieu a fait grâce. Je suis sortie du bureau du pasteur et je marchais. Oui. Mais attends, ce qu'elle ne dit pas, elle ne pouvait vraiment pas marcher. Donc, il a fallu qu'elle se fasse porter, il fallait qu'elle fasse aider. Voilà. Et bon, je vous avoue, hein, ce jour-là, on venait de finir notre programme de prière avec tous mes fils là. Donc, je sentais une sainte colère. Donc, quand j'apprends ça, en plus, elle est tombée à l'église, elle ne peut pas travailler. Elle peut me servir, elle ne peut pas travailler. Donc, je culpabilisais un peu, je dis, mais Seigneur, c'est une honte. Quelqu'un tombe à l'église et puis elle est paralysée. On te dit qu'elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus marcher. Jésus dit, mais c'est un affront. Dans l'église, là où Dieu habite. J'ai dit non, ça nous a mis en colère. J'ai dit, maman, tu viens au bureau. Alors qu'elle est venue au bureau, je l'ai vue, j'ai dit, c'est quoi le problème? On fait les radios, on ne trouve pas. Elle dit, on fait les radios, on ne comprend pas c'est quoi le problème. J'ai dit, maman, si on ne comprend pas, c'est qu'il n'y a aucun problème. Tu vas dire que de toute façon, problème ou pas problème, ça meurt au nom de Jésus. Donc je lui ai dit, par la grâce de Dieu, tu vas marcher. Donc j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, j'ai demandé pardon. Seigneur, si elle a commis des fautes et tout ça là, pardon pour elle. Mais le sang a été versé pour elle aussi. Tu l'as racheté. Seigneur, elle doit marcher. Donc, on a prié. J'ai dit, alors Jessica, qu'est-ce que tu fais maintenant? Elle me regarde. Et puis elle me dit, elle était assise. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, je marche. J'ai dit, c'est comme tu veux, hein. Donc, elle se lève vers de ma chaise, là où elle était assise. Et puis elle va vers la porte, doucement. Elle traîne les pieds. Et puis elle revient. J'ai dit, assieds-toi. Qu'est-ce que tu ressens? Elle dit, ça va un peu mieux, mais il y a encore des fourmillements au niveau des jambes et tout ça là. J'ai du mal à rester debout. J'ai dit, assieds-toi. Deuxième tour. On va prier. Prier, parler. Et quand je parle, je vois qu'elle commence à transpirer. Et là, je reçois esprit de paralysie. J'ai dit, esprit de paralysie, tu es là. Sors de ce corps. Donc, on a commencé à parler.
je lui ai envoyé, je ne sais pas combien de missiles, de obus de feu. Mais à un moment donné, elle commençait à tomber. Elle se renversait, elle était en train de plier, et puis brusquement, elle est tombée. Elle dit, non, tu n'es pas tombée, tu étais quasiment tombée, c'est moi qui t'ai empêché de tomber. Et j'ai dit, tu sors par les pieds, parce que je voyais qu'elle touchait les pieds. J'ai dit, sors par les pieds. Parce qu'en fait, je sentais des morsures, en fait, au niveau de mes jambes. Ah bon? Oui. Tu m'as jamais dit ça. Ah bon? Non mais vas-y. Je sentais quelque chose qui me serpentait les jambes et je sentais des morsures. Donc plus le pasteur priait, plus ça me mordait en fait. Et j'étais en train de me sentir attirée vers le sol. Wow. C'est pour ça. Donc, quelque temps après, dans le bureau là, quand elle se retrouvait quasiment par terre, j'ai dit, bon maintenant c'est fini, lève-toi. Elle est partie au bureau, elle a marché à la porte. J'ai dit, maintenant va à la salle de réunion. Elle est partie à la salle de réunion, elle est revenue. J'ai pris l'onction d'huile, j'ai appliqué l'onction d'huile. Elle est tombée, je l'ai relevée. J'ai dit, maintenant va, comme tu ne peux pas monter les escaliers, dis descendre, prends les escaliers. Elle est partie, elle va. Mais ce qui m'a touché ce jour-là, m'a touché, c'est qu'elle était, on était quasiment début juin, fin mai. Ça fait 3 mois qu'elle ne marchait pas. Et quand je lui dis maintenant, comme c'était, il y avait atmosphère de gloire à l'église, pendant que j'étais dans le bureau, j'ai dit maintenant va dans l'église, va rendre grâce à Dieu. Et quand elle est venue, quand elle est descendue, les autres placeurs, quand ils l'ont vue, elles ont commencé à la serrer. Il y en a qui étaient émus, qui commençaient à pleurer. Mais tu marches. Il dit waouh. Mon mari qui m'a accompagné ne comprenait pas. Il m'a vu arriver, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu marches? Wow. Asseyez-vous. Et avec moi, journée de témoignage. Dis à ton voisin, dis-lui qu'il n'a pas envie de te parler. Dis-lui, Jésus agit encore. Il y a des religieux qui vous disent que Jésus n'agit plus. J'ai lu ça sur internet. Non, on est pasteur français, hein. Ils disent non, ce sont des paraboles, ça n'a jamais existé. Il y en a qui disent que ce sont des paraboles, il y en a qui disent que ça a existé, mais c'était à l'époque apostolique et que ce n'est plus nécessaire. Alors il n'y a plus de malades, il n'y a plus d'oppressés, il n'y a plus de Satan. Donc Satan a disparu. Il dit Seigneur, pardonne nos folies. Et puis les églises qui croient et qui annoncent ça, ils disent que ce sont des gens dangereux. Je suis dangereux pour le royaume des ténèbres. Ça, je suis d'accord. J'assume mon statut. Wanted par l'enfer. Ils me combattront, mais ils ont échoué lamentablement. Et par la grâce de Dieu, ils échoueront lamentablement. J'ai reçu un témoignage hier qui m'a particulièrement touché. Non, Yvette, c'est fini. J'ai reçu un témoignage qui m'a particulièrement interpellé, avec j'ai fait écouter à mon épouse qui nous a touché, et je voulais vous le mettre à travers une vidéo. Est-ce que la vidéo est prête? Il y a deux témoignages dedans, un témoignage de Boissy, et la sœur qui a reçu ça, elle vient de, je ne sais pas si elle fréquente l'église, je ne sais même pas, et en tout cas, hein, elle vient, je sais, d'accord, mais elle n'a pas fait, elle va avoir été son témoignage. Régis, nous sommes prêts. Fervent. Pourquoi attendre?
Avant les 21 jours, j'avais un problème à l'oreille gauche. J'entendais mal, j'étais devenue un petit peu dure d'oreille du côté gauche. Je le sais parce que il m'arrivait très souvent de faire répéter les personnes. J'entendais mal, je suis enseignante en fait, et je faisais souvent répéter les élèves du fond de la classe parce que j'avais un problème à ce niveau-là. À tel point qu'un jour, un de mes élèves m'avait dit « Je vous ai dit que je n'ai pas mon cahier. Si vous avez un problème, vous n'avez qu'à vous faire soigner. » Donc nous rendions gloire au Seigneur tous ensemble. Ne demande pas. Ce n'est pas le temps de demander quoi que ce soit. C'est le temps de rendre là où tu crois que tu as reçu. Donne, rend, ascribe, praise and glory. Et d'un seul coup, j'ai l'impression que la sono avait été augmentée de façon très significative, très très forte. Mais je sentais ce bruit augmenter que sur mon oreille gauche. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas la sono qui avait été augmentée. C'est mon oreille qui venait d'être guérie, qui venait d'être débouchée, débloquée. Et en même temps, j'ai senti un rééquilibrage de mon ouïe entre les deux oreilles. Et depuis hier soir, j'entends très bien. Je sens bien que mon ouïe est bien équilibrée. Et je suis contente parce qu'on aura plus à me dire d'aller me faire soigner. Gloire à Dieu. Je m'appelle Ange Afa Josette. J'ai 56 ans. Le Seigneur vient de ce matin de me délivrer du mal d'arthrose au niveau des genoux. Je souffrais de ce mal depuis 2014. J'ai fait des examens, j'ai fait des radios. J'ai suivi le traitement au niveau d'un rhumatologue qui m'a prescrit une ordonnance que je renouvelais tout le temps parce que je devais prendre les anti-inflammatoires tous les jours de ma vie. Et lorsque le mal s'accentuait, je faisais des infiltrations au niveau des genoux. Depuis l'année dernière, j'ai décidé de ne plus prendre les anti-inflammatoires ni aller faire des infiltrations au niveau de mes genoux. Parce que après ma formation 101, et la formation 201 que j'ai suivie à ICC, j'ai retenu que le Seigneur Jésus-Christ sur la croix s'est chargé de nos maladies pour que nous soyons guéris. Il est donc anormal que je suis la fille de Jésus-Christ et que je sois sous le joug de cette maladie de l'arthrose et que je bois les médicaments tous les jours de ma vie. Ce n'est pas possible. S'il a délivré des gens dans le temps, il est le même hier, aujourd'hui, demain, d'éternité en éternité. Alors j'ai dit, par Jésus-Christ, je serai guéri. Puisque le rhumatologue m'avait demandé de perdre du poids. C'est vrai, je pesais plus de 115 kilos. J'ai perdu du poids. J'ai suivi des régimes sans sel, sans sucre, boire beaucoup d'eau, ne pas manger dans la soirée. Je suis à 90 kilos. Mais jusque-là, le mal était toujours là. Il ne partait pas. Alors, j'ai dit, je ne vais plus prendre les médicaments. Je ne prends plus les anti-inflammatoires, plus rien. Je vais prier mon Dieu et il va me délivrer. Lorsque le pasteur a programmé dans ce jeûne de 21 jours de jeûne de prière de supplication, j'ai pris mon matelas, j'ai déposé par terre. J'ai dit, je vais enlever ce matelas par terre quand je serai guéri. Et j'ai la foi que, après ces 21 jours de jeûne de prière de supplication, je ne connaîtrai plus cette maladie d'arthrose au niveau de mes genoux. Avec mon travail, je n'ai pas pu aller en live à ICC pour suivre les prières dans la soirée. Je suivais par Internet tous les jours. Mais le jeudi étant de repos, j'ai décidé d'y aller. Là-bas, en partant, j'ai dit à mon Dieu, là où je vais là, c'est pour aller prendre ma délivrance. C'est pour aller déposer ce mal d'arthrose à tes pieds et rentrer guéri totalement. Lors de l'imposition des mains du pasteur Maude sur moi, j'ai entendu comment mes genoux faisaient crac. J'ai dit, why, c'est le moment où tu dois partir. Le vendredi, je sentais encore un peu mal. Mais j'avais la parole que le Seigneur Jésus avait mise
dans la bouche du pasteur Yvan qui disait, même si tu sens encore un peu mal, dis-toi par la foi que c'est la chair qui fait ce petit mal, mais que tu es déjà guéri. Et c'est ce que je me disais toute la journée d'hier, que je suis guéri. Je suis guéri du mal de la chose. Je suis libéré, délivré de ce mal. Hier soir, je n'ai pas pu aller à l'église parce que je travaillais. Mais je suis rentré dans la soirée. Je suivais quand même la prière par internet. Je suis arrivé à la maison. Quand le pasteur a demandé qu'on soulève les huiles qui avaient été consacrées, j'ai pris ma bouteille d'huile d'olive par la foi. Je l'ai soulevée aussi. Et j'ai dit au Père qu'il bénisse aussi mon huile. Et je sais que mon huile a été bénie. Tellement d'ennemis qu'il ne restera pas. Dans le nom de Jésus. Tout objet que cette huile touchera. J'ai pris une goutte, j'ai mis sur mon front. J'ai proclamé comme nous l'avons proclamé ensemble. Et le soir, je me suis couché avec la ferme assurance que je suis délivré. Le matin, j'ai adoré pendant une heure de temps. J'ai fini d'adorer mon Dieu. Je me suis levé de mon matelas que j'ai rangé. Après, l'Esprit de Dieu a commencé à me dire que j'essaye un peu de m'accroupir. Ce que je ne faisais plus il y a de cela 3 ans. Je ne pouvais pas m'accroupir. Quand je grimpais les escaliers, c'était une peine pour moi. Le lendemain, c'était difficile que je me lève. J'avais mal. Mais ce matin, je me suis levée. J'ai rangé mon matelas. J'ai commencé à faire des mouvements. J'ai essayé de m'accroupir. Ça allait. Une deuxième fois, oui, une troisième fois. Parti. Je ne sentais plus mal. Je m'accroupis. Je saute. Je secoue. Je plie mes genoux. Par la grâce de Jésus, je suis totalement délivré du mal d'arthrose. Plus jamais j'en ne parlais de plus d'arthrose dans ma vie au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu ce matin. Je dis merci à Jésus-Christ de m'avoir délivré. Il est le meilleur médecin. Il est le médecin des médecins. Merci pasteur. Merci à tous les responsables du CC. Merci à tous les pasteurs du CC. Jésus-Christ m'a délivré. Merci, merci. Et je rendrai témoignage partout où besoin se fera. Merci, papa. Gloire à Jésus. Amen. Bye bye. Au revoir. C'est terminé. Ça s'arrête là. Sorcellerie, c'est aujourd'hui. C'est à la fin de l'affliction, des infirmités, des maladies, des blocages, des paniques sataniques. Viens avec moi. Oh Seigneur, merci. Comment rendrai-je à l'éternel ses bontés manifestées envers moi? Il m'a rémunéré. On a la masse. Seigneur, merci. Tu ne fais pas de favoritisme. Ce que tu as manifesté pour elle, Seigneur, tu le manifestes pour chacun d'entre nous. Là où on a dit qu'il n'y a plus de cartilage, là où on a dit qu'il n'y a plus de cartilage, il n'y a plus de ménisque, le membre ne peut pas revivre. Merci de ce que, à cause de ton attouchement divin, avant la fin de 2017, cette parole se manifeste. La rémunération. Et pour avant les prochains 21 jours, la rémunération sera visible. Si tu crois que ça te concerne, acclame. Acclame, acclame. Acclame. Asseyez-vous, asseyez-vous. J'en ai encore un dernier. J'en ai encore un dernier. Dis avec moi, waouh.
qui m'a touché dans le témoignage de cette sœur, c'est la persévérance. Elle s'est battue. Vous savez, il y a des miracles qui arrivent vite. Et puis il y a des miracles, comme là, elle a ressemblé à la femme avec la perte de sang. Elle s'est battue. Elle s'est battue contre elle-même. Elle a abandonné. Elle en avait assez de prendre ça tous les jours. Ces traitements anti-inflammatoires. Et ça, il faut le faire en fonction de ta conviction à toi. Voilà, faut pas suivre ça. Si tu n'as pas la foi, ça marchera pas. Mais elle était déterminée. Et j'ai admiré sa foi, le parcours de sa foi. Elle a combattu ce qu'on appelle le combat de la foi. Là où tu refuses de considérer, tu as mal, mais tu refuses. Tu dis c'est maintenant, Seigneur, ton pied, mon pied. Elle a pris son matelas, elle l'a mis par terre. J'ai dit, tant plus dans mon lit, matelas à terre. Seigneur, tu dois te manifester. C'est la compassion. Dieu a eu compassion. Il y a eu une atmosphère qui a été créée ici, qu'elle a reçue. Mais sa foi, c'est ça qui a fait toute la différence. L'atmosphère peut être là, mais on peut ne pas recevoir si on n'a pas la foi. Elle avait la foi. En tout cas, ça m'a touché parce que je connais beaucoup de personnes qui ont ce genre de problème. Et je prie que son témoignage devienne ton témoignage aussi. Au nom de Jésus. Je vais finir avec le récit d'une sœur à qui j'ai dit d'attendre un peu avant de faire la vidéo et qui habite en province, qui est dans une de nos églises, qui est une sœur vraiment dévouée, avec un bon cœur, une bonne attitude, irréprochable. Vous voyez, on peut aimer Dieu, servir Dieu, mais souffrir inutilement à cause de son ignorance. Et c'était vraiment son histoire. Une sœur superbe. Sauf qu'elle a eu des enfants avec un monsieur qui un jour lui a carrément dit en face que lui, il pratique la sorcellerie. Et que son père et lui, ils sont en plein dedans. Ils nagent dedans. Et le jour où elle a décidé de le quitter, quand elle a accepté Jésus, elle a décidé de le quitter, il lui a dit, on ne me quitte pas. Tu ne peux pas me quitter sans répercussion. Ils ont eu des enfants déjà ensemble. Ce qui est triste pour elle, c'est que qu'elle en a parlé à un pasteur. Le pasteur lui a dit, non, mais ce n'est pas grave. Il a menacé la sœur en 2012. Et nous, on ne savait pas cette histoire. Elle a appelé pasteur Maud seulement le lundi dernier. Lundi dernier, parce que là, elle n'en pouvait plus. Parce qu'elle commençait vraiment à avoir peur. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a parlé avec elle. Elle dit, en fait, j'étais résigné. Une voix me disait que j'allais mourir très tôt. Mais ce qui me faisait mal, j'avais accepté de mourir très tôt. Parce que sa santé... quand j'ai écouté son témoignage, j'ai dit, mais c'est un travail de boucher. Ils sont en train de te détruire pièce par pièce. J'aurais plus du mal à dire ce qu'elle n'avait pas comme problème que de dire ce qu'elle avait comme problème. Tellement tout chez elle était démoli progressivement. Dès qu'elle a quitté ce monsieur. Maman, le mariage là, quand Dieu parle, ne pense pas que le mariage est heureux. Ne coupe pas dans n'importe quelle relation. Elle a choisi quelqu'un, elle ne savait pas. Quand elle a découvert, elle a dit, on ne me quitte pas. Elle est partie en Afrique voir le papa de ses enfants, lui dire, j'arrête tout. Le pasteur lui dit, il n'y a pas de problème, même s'il te menace, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que elle ne connaissait pas la vérité. Elle n'a pas été enseignée. Elle n'a pas brisé ces liens-là. Résultat, quelques semaines après, elle a commencé à avoir des problèmes de santé, toutes sortes de problèmes de santé. Mais parmi les majeurs que j'ai retenus, elle a fait une ménopause précoce. Ça, c'était un message. Tu pars, tu me refuses, moi, tu ne connaîtras plus d'homme. Ménopause précoce, elle avait quel âge bébé à l'époque? Moins de 40 ans, je pense. Ménopause précoce. Mais elle ne savait pas. Pendant 4 ans, elle a souffert de ménopause précoce. Elle ne savait pas. Et alors, du coup, la ménopause précoce, comme ça n'a pas été traité, ça a engendré l'ostéoporose, la maladie des os. C'est ça ma femme? Maladie des os. Il n'y a pas assez de calcium. Donc elle va voir, elle fait les examens, on lui dit qu'elle va, son corps ne tient plus. Son corps est en train de s'affaler et qu'elle va sûrement devoir marcher en chaise, devoir rouler, promener en chaise roulante. Ce n'est qu'une question de temps. Mais ce n'est pas tout. Elle dit qu'elle avait le cou qui gonflait et... elle avait du mal à avaler, elle sentait que l'estomac était acide, le tube digestif était acide. Et quand on va faire les examens, elle va voir le spécialiste du tube digestif, je ne sais plus comment il s'appelle, l'ORL, je ne sais pas comment il s'appelle, et gastro-entérologue.
Et le monsieur, le médecin lui dit qu'en fait, son tube digestif et son nez est brûlé. Son tube digestif est brûlé. Son estomac, en fait, il lui dit que c'est comme si vous avez été empoisonné. Il était empoisonné comment? Donc, tout en elle n'est que souffrance. Quand elle conduit, et les premiers symptômes de la paralysie étaient en train d'apparaître. Parce que des fois, donc elle était sous traitement en permanence. Quand elle conduit, les mains soudainement se raidissent. Les jambes se raidissent. Donc, elle risque de faire un accident. Elle est obligée d'arrêter tout de suite. Et c'est là qu'elle a appelé Pasteur Maud. Jusqu'à lundi dernier. Pasteur Maud lui a dit, est-ce que tu peux venir? On va prier pour toi. Donc, elle était connectée depuis la province où elle est. Elle priait tous les jours. Et quand elle est venue le vendredi, elle ne savait pas c'était... Enfin, on pensait que c'était que ça. Mais on ne savait même pas. Et ça, même ma femme, quand on a prié pour elle, elle ne s'est même pas rendue compte de ce qui s'est passé. C'est quand je l'ai reçue dans le bureau à 23h qu'elle dit à Pasteur Maud, en fait... Donc, elle raconte ce qu'elle a vécu, tout ça, tous les différents symptômes qu'elle a engrangés. Et puis, elle explique qu'elle était guérie de l'oreille droite parce qu'elle n'entendait pas partiellement, elle n'entendait pas du tout. Tout, c'est-à-dire, c'est comme si c'est un boucher, c'est un travail de boucher. On est en train de la massacrer, et on n'était pas au courant. J'ai dit, mais maman, tu es sous notre autorité, tu es sous l'autorité apostolique et pastorale du pasteur Ivan, et tu as un bon cœur, et ça entend en train de te massacrer comme ça. Qui fait ça? Qui est derrière ça? Comment s'appelle le père de ses enfants? Et son papa? Et lui? Comment il s'appelle? Donne-moi les noms. Kama Soprikata. Non. J'avoue que là, j'étais en colère. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Jamais. Passe mon autorité pastorale. Je suis un berger. Un berger est un protecteur. Mais en fait, la vérité, c'est que je n'ai même pas prié pour elle. La présence de Dieu. D'abord, quand on a prié pour elle, là, et qu'on l'a reçue dans le bureau, elle n'a pas dit qu'on l'a prié pour elle. Elle dit qu'en fait, toute mon oreille droite s'est débouchée. Elle dit, mais je n'ai même pas parlé de ça, parce que ce n'était même pas le problème majeur. Mais elle dit, mais je me suis rendu compte que j'entendais maintenant les sons par l'oreille droite, et quand on appelait, donc, elle parle avec les gens au téléphone avec son oreille droite, et dit, l'oreille droite s'est remise en place. Alors, j'ai fait un check-up quand on était dans le bureau, j'ai pris autorité, parlé avec ma femme, on a prié pour elle. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait plus rien. Et je l'ai appelé hier soir, juste pour vérifier. Parce qu'il faut toujours faire un bilan, un suivi après. J'ai appelé hier soir, j'ai dit, comment ça va? Elle dit, pasteur, avant, lorsque je faisais ce trajet-là en train, dès que j'arrivais chez moi, j'étais obligé de m'allonger. Tout n'était que souffrance. Elle dit, mais là, quand je suis rentré, déjà depuis vendredi, il n'y avait plus rien. Hier, il n'y avait plus rien. Il n'y a pas eu une seule friction. Je n'ai ressenti aucune douleur aux os, aucune douleur aux pieds, aucune douleur à la main. Rien de rien. Mes yeux, mes oreilles sont ouvertes. Dieu a fait un travail de restauration totale. Mais j'ai dit, si jamais tu as un seul symptôme qui revient, résiste. Mais si jamais celui qui a bâti l'hôtel de sorcellerie là, qui dit, maman, si jamais il recommence, si jamais cette soeur, si jamais il est connecté, c'est bon. Si jamais cette fille là, qui est ma fille, dans la foi, si jamais elle a une seule friction, ma Bible dit, celui qui creuse une fosse sera enterré. Je dis, si quelqu'un ose toucher à cette femme là une seule fois, la pardon. Il va passer à sa place. Il va passer avant la fin du mois de juillet. Si il... On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de détruire une femme jeune. On n'a pas le droit. Je lui ai dit hier. Tes afflictions s'arrêtent définitivement. Quiconque va vouloir essayer une fois, j'ai dit, he will die. Une vie pour une vie. Ma prière, c'est qu'il ne fasse pas ça et qu'il soit sauvé. Mais s'il recommence, il verra. Ne touche pas. Ça, c'est le témoignage qui m'a mis en colère. Une sœur bien. Avec un super, elle est généreuse. Elle sait l'erreur qu'elle a commise, c'est de se laisser aller. Je dis, mais l'erreur que tu as commise, c'est que tu as attendu que la maison prenne feu avant d'appeler les pompiers. C'est l'erreur que tu as commise. Elle dit, mais à l'époque, j'étais quasiment résigné. Je ne savais pas comment faire. Mais tu vois, dès qu'elle en a parlé, le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur te fait grâce. Au nom de Jésus. Quiconque érige des hôtels
d'affliger, de torturer, de détruire un petit bout. On a dit jeudi, vendredi, c'est pas moi. Le Saint-Esprit a dit son crâne, de la même manière que le crâne de Dagon. Ce premier avertissement, Dagon a été renversé. Mais les Philistins l'ont redressé. Le deuxième jour, le crâne a été fracassé. J'ai dit, quiconque bâtit un hôtel pour parler contre toi, pour te détruire. J'ai dit, son crâne est fracassé. Deuxième semestre de 2000. Fracassé! Fracassé! Ce n'est qu'une infime portion. Les amis, Jésus agit encore. Fais ta vidéo. Publie-la. Et mets hashtag dièse. Jésus agit encore. Il faut que les gens aillent sur cette interface. Voir ce que Jésus a fait. Ça va réveiller la foi de plusieurs qui avaient abandonné l'espoir. Ça va les convaincre que Jésus est réel. Dis amen. Amen. Et les témoignages, c'est vrai qu'il faut mettre. Ne comprends pas mal ce que je fais. Moi, je prie. Celui qui lance une flèche, là, cette flèche va aller vers lui. Je n'ai pas dit qui. Mais si quelqu'un lance la flèche, il va être transpercé par la même flèche. Il va être transpercé. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Ton foyer ne mourra pas. La grâce va surabonder dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire merci? Ah, tu as entendu mon cri. Tu as déployé tes compassions. Tu as entendu le cri de nos cœurs. C'est ta grâce qui l'a fait. Ta miséricorde, elle durera toujours. Tu as déployé ta miséricorde. Tu as détourné de nous le jugement. Tu as étendu ta main. Donne sa main sur ta vie. Qu'il étende sa main sur ta vie. Qu'il étende sa main sur ta vie. Ah, 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 ah. N'est pas une religion. Jésus n'est pas venu créer une religion. Jésus est venu donner la vie. Je suis venu pour mes brebis la vie et qu'elle est en abondance. Jésus veut te faire du bien. Il veut te construire. Il veut aussi te faire du bien. Il n'est pas une religion. Peut-être qu'il y a une personne qui a écouté ces témoignages. Beaucoup de choses que tu crois naturelles ne sont pas naturelles. Beaucoup de gens qui souffrent inutilement. Pourquoi continuer de souffrir inutilement? Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu vois, lui qui parle là-bas. Non, l'esprit là qui parle, aujourd'hui là. S'il ne sort pas, vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui a eu le crâne fracassé. On ne la retiendra pas. C'est fini. Omega a dit c'est terminé. Oh, pas la chaîne des mots. Pas la chaîne. C'est terminé. On ne peut pas te retenir. On ne pourra plus te bloquer. On ne pourra plus t'enchaîner. Un soupir de foi, si Dieu je crois, je suis d'accord avec la parole. Ah, ah, ah. C'est fini. C'est 22 jours. C'est fini. 21 plus 1. C'est terminé. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Il fait tout à merveille! Oh, il a donné un sens à ma vie.
Il fait nous ta merveille. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Tu verras les rémunérations maintenant, dans ce deuxième semestre. Pas après maintenant. Wow. Connecté par internet ou qui est là, dans les différentes salles, et tu dis, tu vois, tu peux arrêter la souffrance inutilement. La première chose à faire, la première chose à faire. Oui, merci, merci. Le Saint-Esprit l'aggrave. Hein? Première chose à faire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la sécurité, merci. Soyez plus rapide, plus diligent. Tout n'est pas esprit, hein. Ça peut être le Saint-Esprit, mais c'est juste qu'on veut le calme. Je vais faire mon appel. Et avec moi. Wow. Les prochains 21 jours, ça sera plus du double de personnes qui sera connectées de partout. Comment te dire merci? Certainement tu es vivant. Les autres sont morts. Jésus est vivant. Aucun d'autre que lui n'agit pour faire le bien aujourd'hui. Il n'est pas une religion. Il veut te donner la vie. Il veut te libérer. Il veut te faire du bien. Voilà pourquoi dans le temps est déjà passé. Mais je veux donner à quelqu'un l'opportunité. Tu as écouté ces témoignages. Ça ne peut pas être fabriqué de toutes pièces. Ce n'est pas possible. Tu sais, en écoutant une voix te dire, ça, ce n'est pas de la religion. Ça, c'est du vrai, c'est du réel. Jésus peut te changer. Et toi, tu as écouté ces témoignages et tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Parce que ça commence par là. Viens déjà à Jésus. Ne reste pas où tu es. Ne reste pas dans le péché. Lève la main. Les têtes inclinées. Inclinez les têtes. Il y a quelqu'un qui veut lever la main, qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus. Quelle que soit la pièce dans laquelle tu es, la salle dans laquelle tu es, je veux que tu lèves la main, que tu prennes tes affaires et que tu viennes vite devant. On doit clôturer. Je veux que tu viennes vite devant. Je veux que tu viennes vite devant, s'il te plaît. Lève la main et viens devant. Lève la main et viens devant. On t'attend. Une personne vient. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Cours, cours, cours. Aujourd'hui est le jour de salut. Ça est un jour de délivrance. Il veut faire toutes les choses à merveille dans ta vie. Car votre a été ton commencement. La fin de ton histoire sera glorieuse. Tu peux acclamer mieux que ça. Sur internet, tu peux cliquer sur le bouton. Je donne ma vie à Jésus. Je crois à une nouvelle dimension, à une nouvelle autorité, à une nouvelle puissance, à un nouveau feu, à une nouvelle intimité avec Dieu. Je crois que Christ sera vêtu. Je crois à la vie de Christ, à la vie du ciel, à l'extraordinaire divin. Acclame, 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 acclame. Aujourd'hui les amis, c'est le jour, c'est un jour extrêmement important. C'est le jour où vous avez l'opportunité de dire à Jésus de venir dans votre vie. Je vais vous demander de répéter juste une parole simple, avec une prière simple. Par cette prière, Jésus a dit, je frappe à la porte, si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi et toi avec moi. C'est juste une question de cœur. Dieu regarde au cœur. Si votre cœur est désireux, sincère, je vais vous inviter à répéter avec la bouche. Mais il faut que le cœur soit engagé. Et à partir d'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que Jésus va venir dans votre vie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la religion. Vous saurez que quelque chose s'est passé.
parce qu'une présence va rentrer. Elle s'appelle le Saint-Esprit. Il va commencer à changer vos vies. Et vous ne serez plus les mêmes personnes. Je vous assure, c'est glorieux. La vie du ciel va commencer sur la terre pour vous. Dieu va tout réparer, restaurer, rétablir au nom de Jésus. Alors, on va élever les mains, tous ensemble. Et l'Église va vous aider à prier, à faire cette prière par laquelle il y a 35 personnes sur Internet qui ont cliqué également sur le bouton. Wow. Wow. We thank you, Lord. We bless you, God. Tout le monde va répéter avec nous ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ces témoignages. Seigneur, je crois que tu agis encore. Donc que tu es vivant. Que tu es ressuscité. Et que tu vis éternellement. Je suis comme l'enfant prodigue. Je te demande de pardonner mon éloignement. Ma séparation de toi. En réalité, je ne te connaissais pas. Mais à partir d'aujourd'hui, pardonne mes péchés. Pardonne mes manquements. Pardonne mon éloignement. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Réécris l'histoire de ma vie. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, je déclare sur la base de cette confession que je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vous demande, s'il vous plaît, ce que vous venez de faire, ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est glorieux. On peut avoir 70 ans et naître de nouveau. C'est ce que Nicodème a expérimenté. Et on va vous expliquer, on va vous contacter pour vous expliquer ce que c'est. Mais quand un enfant naît, on ne laisse pas l'enfant livré à lui-même. On en prend soin. C'est ce qu'on veut faire avec vous. Et c'est ce qu'on a fait tous un jour ou l'autre. Le Seigneur nous a tendu la main. On a été accueillis dans une famille. Et nous sommes la famille qui prend plaisir à vous accueillir. Si vous le voulez, si vous voulez de nous, nous on veut de vous. Donc on veut vous prendre par la main. Et pour ça, on va juste prendre vos coordonnées rapidement. Et on vous contactera dès cette semaine. Et je vous garantis, cette histoire-là, c'est sérieux. Dans 3 mois, on ne vous reconnaîtra pas. Le Saint-Esprit va mettre de l'ordre. Il va transformer vos vies. Ce sont des chefs-d'œuvre qui sortiront de vous. À la gloire de son nom. Je vous demanderai de bien vouloir suivre juste 5 minutes, pas plus. Juste 5 minutes. De suivre la conseillère Laetitia qui est là. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer? S'ils ont laissé leurs affaires, voisins, protègent leurs affaires. Ah 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 ah. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la louange. Pour tes bienfaits, tes compassions. Tu as entendu nos cris et tu as répondu. Ah 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 ah. Quelqu'un dit amen. Et vous savez quoi? La semaine ne fait que commencer. On se retrouve dès mercredi soir. Je vous avertis, il va y avoir du monde qui vient de partout. J'ai vu des vidéos, des gens qui viennent d'Allemagne, des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent de la Caraïbe. D'ailleurs, il y a des délégations de la Caraïbe qui sont déjà là aujourd'hui. Waouh! De la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, ils sont déjà là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus d'Afrique? Là, oui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent demain. En tout cas, les gens vont venir de partout. Il y en a qui m'ont écrit des États-Unis, qui m'ont dit qu'il y aura du monde. Donc, s'il n'y a pas de place, ne te plains pas. Il faut qu'on soit nombreux. Quand on voit les vidéos, il y aura du monde. C'est un signal pour toute la francophonie de ce que quelque chose a commencé à la capitale. Prenons la capitale! C'est à quelle heure, mercredi? Mercredi, ça commence à quelle heure? 18h. Écoute, fuis le travail. C'est la seule fois où c'est... C'est biblique. C'est pas biblique, mais c'est spirituel. C'est pas biblique, mais c'est spirituel. Parce que ça, c'est pour la bonne cause. Tu fuis le travail avant 18h. Ne ratons pas la cérémonie d'ouverture. Et je vais peut-être prêcher sûrement le mercredi soir.
Je verrai si c'est le pasteur Gabriel qui t'avait, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a 5 jours ensemble de feu. Là, attends. La même présence là va nous accompagner. Patale, mama, tele, bro. Yele, mama, yele. Yale, ramos. Christ sera vécu. On te verra dans notre époque et dans notre génération. Je finis en vous disant que les coffrets Vivre Christ, le thème de la conférence, nous l'avons commencé depuis le début de l'année. Je te supplie. Enfin, moi personnellement, je bénis Dieu pour... oui, bébé, donne-moi ça. Je bénis Dieu pour... les MP3, enfin non, les vidéos, les YouTube et tout. Mais je, dans ma voiture, quand je suis sur YouTube ou tout ça, j'arrive pas à téléphoner. Donc, et puis quand je téléphone, après ça coupe. Bref, moi je suis pour les coffrets encore. Donc tu as le volume 1 de Vivre Christ. Tu as le volume 2 de Vivre Christ et tu les compléteras par la conférence. Mais si tu prends que la conférence en ratant ça, tu auras raté. Non, je sais que tu ne commettras pas cette erreur. Au nom de Jésus, les 21 jours sont disponibles. Et le livre neutralisé, le nuit publique numéro 1, je vais le dédicacer à la conférence. Voilà, vous pouvez vous le procurer, sinon à la conférence, mais je vais le dédicacer. Waouh! Ah oui, oui, les femmes ont sorti vraiment. Tu vas comprendre. La grâce qui est sur ma vie accompagne ta vie. Le bonheur que je connais dans le mariage, tu le connaîtras. Et tu le connais et tu le connaîtras. Bon, franchement, quand même, ça, c'est le magazine des femmes qu'elles ont sorti pour la conférence. Et c'est une manière aussi de financer, peut-être pas totalement, mais en tout cas une partie du budget de, leur de la conférence qu'ils vont faire à Montreux, qui va coûter cher. Et comme on a refusé, nous, l'église, de payer, donc elles ont dit, elles vont se débrouiller. Elles ont sorti un magazine magnifique, La Femme Sage en Action, avec une couverture, mais vraiment... Je m'en vais. Alléluia, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu pour ses magnifiques moments. Gloire au Seigneur pour ce qu'il a accompli au milieu de nous. Gloire à Dieu pour les témoignages. Gloire à Dieu pour les choses présentes. Et gloire à Dieu pour les choses à venir. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer encore le Seigneur? Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place dans la présence du Seigneur alors que nous prenons congé de notre famille internaute et nous nous disons à mercredi. Amen. Par la grâce de Dieu pour un Impact Conférence 2017. Amen. Nous serons tous ensemble réunis dans un seul et même lieu par la grâce de Dieu. Alors que nous nous approchons du terme de notre célébration, nous voulons accueillir toutes les personnes qui sont là, ici avec nous pour la toute première fois. C'est votre premier culte avec nous et nous voulons vous...